Bah. Je t'ai niqué quand même là, je pense. Parce qu'après, c'est une légende. Ah vache. Rémi, je me baladais dans le bus avec ça sous le bras et je lisais de 8 h à 10 h chaque matin, putain. Oh là 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 là. Truc de furieux quand même. Et là, tu sais ce qu'il fait, ce gars-là? Qui a pris des cours de fou. Il vient voir un gars qui a fait chaudronnerie et qui donne des cours de peinture. Électronique. Électronique. Tu fais des cours de peinture, toi. Donc voilà, tu vois. Alors, je vais vous montrer dans la caméra d'abord les couleurs que j'ai utilisées là pour l'armure. Parce que ça, c'est la recette 100% Dans Sin l'autre Wool. sens, parce que là, ça va être compliqué à atteindre. Ah ouais, ça fait à l'envers en Et fait. mets les numéros, Ouais, pareil. je vais les mettre comme je peux parce que là, ils sont vieux là. J'en ai un, mon vert bleu, je l'ai depuis, je pense, 15 ans. Ou peut-être plus. Et il a un peu morflé le coco. Donc voilà, ça, c'est les couleurs que j'utilise Attends. pour faire. Je le mettrai sur le Discord. Voilà. Hop. Donc ma base sur l'armure Sin Wool, c'est ça. L'aluminium mat. Simplement, c'est juste pour avoir un truc un peu en dessous du blanc. C'est un peu con, hein, mais voilà. Et une fois que j'ai passé ça, je vais doucement commencer à créer des petits glacis de vert bleu dans l'armure. Et après, je vais insister avec le bleu violet dans les creux. En gros, je reprends avec l'aluminium et ensuite je finis au blanc. En gros, l'idée, c'était de faire un truc un peu nacré. Donc des reflets dedans, enfin dans l'armure avec des couleurs un peu différentes. Et ça marchait bien. Le vert bleu et le bleu violet étaient chouettes. C'était pas mal. Donc voilà, ça c'est la recette de l'armure Sinwall, qui a été faite quasiment sur presque tous, sauf si je me souviens bien, ben, je crois que les nanas là comme ça sur échasse, j'avais pas fait la même couleur. Et il y avait aussi une boîte avec, je sais plus les noms, hein, je m'en excuse, hein, mais il y avait une boîte aussi avec des mecs d'élite là en armure qui étaient en train de voler sur leur drapé. Hein. C'est pareil, j'avais fait un peu les mêmes couleurs que les nanas, où j'avais plus utilisé du bleu et du rose à la place pour les couleurs pastel, en gardant à peu près le même esprit quoi. Donc redis-moi, c'est pourquoi ces couleurs, je le mets sur le C'est pour Discord. l'armure Sin Wool. Donc. Aïe, pardon pour la caméra, j'ai tapé dedans. Donc là, je fais ma base. Le pot est neuf, j'ai jamais utilisé encore. Je l'ai un peu secoué, mais je sens que ça suffit pas, j'ai un peu trop le lion. T'as de la chance, il fait bon. Pourquoi? Parce qu'ici on monte à 28, 29 super Non, facilement. mais c'est la semaine prochaine qu'il va faire chaud, je crois. 23, putain. Hier il faisait déjà 27. Ça va. Sinon tu finis en t-shirt, on met une piscine et les gens ils envoient des bifetons. Hein. T'inquiète, ça marche sur Twitch. En plus t'as des tatouages sur le corps. Ouais, mais faut avoir un décolleté pour ça. Non, un décolleté avec de la moquette, ça marche. Hein. Donc voilà, là je prends mon aluminium mat. Je crois que c'est ça, hein, le nom, si je dis pas de conneries. Ouais. Putain, t'as des couleurs que j'ai jamais utilisées. Donc ça, Mais c'est la c'est base bon. de l'armure. Donc là, on va commencer de toute façon à être un peu plus précis parce que j'ai des zones autour qui ont été travaillées. Alors je pense que je vais pas traiter tout. Je sais pas si on... quelle heure il est là. 18 h, on a jusqu'à 18. Ouais. T'auras une petite pause si tu veux prendre une pause. Non, mais c'est surtout que je pense pas que je pourrais faire toute l'armure parce que ça va être trop long. Mais je vais peut-être me concentrer sur une zone. Ah là, le nouveau pot, il a du mal à couvrir en plus, c'est la merde. Ouais, est-ce qu'il y a trop de médium, non? Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Là, je l'ai secoué, mais. Tu sais qu'ici, quand il fait chaud, tu ouvres le bouchon, ça dégueule tout seul du Oui, bah coup. chez moi, ça fait pareil, je suis sous les toits aussi. Ouais. Ah, nous, on aime bien souffrir. Nous, on peint dans des saunas. Alors, ça aussi, c'est à savoir, les gars. En dessous de 30 degrés, nous, on peint pas. Donc ça, c'est une technique pourquoi on a une palette sèche, et justement pour Voilà. perdre plein de peinture, parce qu'on met que de l'argent dans notre peinture, on n'a que ça à faire. C'est trop intelligent. Non, la peinture, la PA fonctionne très très bien autour des 20-23 degrés, et après ça commence à être un peu le bordel en fait. Bah, comme plein d'autres peintures, je pense. Ouais, mais je trouve qu'elle sèche moins que d'autres gammes par rapport à la température, tu vois. Ouais. Toi, Games Workshop, Oh là là. quand il fait chaud, c'est chiant. Bah, c'est surtout qu'il y a plus de médium, surtout, je C'est une pense. peinture qui sèche très très vite. Bon, vous verrez pas grand-chose au niveau différence avec cette couleur, étant donné qu'elle est extrêmement claire.
Visiblement, il y a Twitch qui fait le ménage en ce moment sur les bikinis et... Ah, ça m'étonne pas. Pâte à fixe. Excuse-moi, c'est la pâte à fixe. Ah, ouais. Ah d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas peint une partie du pied en noir. Bon, c'est pas grave, je referai ça plus tard. Ouais, je le vois là. Parce qu'en fait, ça fait partie... c'est comme un petit chausson. Dilué à la sueur, ouais, c'est ça. Tu sais que nous, nos peintures, dans quelques années, si tu veux savoir, c'est nous qui l'avons fait, on a notre ADN dessus. Hein. C'est toute la salive qu'on met. Hein. Tu m'étonnes. Donc ça, dans quelques années, quand vous aurez investi dans nos peintures, vous pourrez avoir la sûreté en faisant de l'ADN. Donc, je vais juste travailler sur une jambe. Pour pas que... Sur une jambe, tu travailles pas assis ? Ce soit trop long. Là, maintenant. Si wow. Je veux faire quelques petits autres trucs après. Tu vois, ce serait pas mal que je fasse une petite partie de tissu aussi. C'est juste que là, je me dis que ça va être un peu chiant au niveau de temps. Non, c'est pas comme moi, et puis en papotant, tout va vite. Trop vite. Sinon, il reviendra. Hein. Faudra m'invoquer. Hein. Bah, c'est quoi? C'est saucisson, bière. Oui, t'as tout compris. Sifflard, bière, ça devrait être bon. Hein. Là, on cause. Ça cause, hein? Putain, c'est horrible, ma peinture, elle couvre absolument pas. C'est une horreur. Je vais essayer de la secouer encore plus. Là, c'est une catastrophe. Si tu prends le gris ciel et blanc, ça fait le même mélange, là? Je sais pas. Tu dois pas être loin, non? J'en sais rien. Bon, après, ah, tu me diras. Tu fais pas beaucoup de mélange. Ouais, c'est ça. Moi, j'en trouve plein de peintures comme ça en faisant ça. Ah oui. Mais je trouve que les. Ils ont un peu changé leur formule entre temps. Parce que moi je vois les vieux pots de Prince Auguste que j'ai, c'est pas pareil que ceux de maintenant. J'ai l'impression que le médium il est un peu plus chiant là en ce moment, chez eux. Je sais pas si c'est que moi, mais. Non, moi je trouve pas. Bon, désolé. Hop. Tu veux le sèche-cheveux là-bas ? Non, 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 c'est bon. Non, c'est juste que je suis obligé de resecouer le pot comme un mort, là, histoire d'être sûr que ça va. Moi, que ça aille, hein, pardon. Moi, faut que je retorde la figurine. Ah, c'est trop bien de l'air chaud quand il fait chaud. Donc là, je vais voir. Ah, j'ai cassé un truc. Ah oui, j'ai entendu un bruit, là. J'ai entendu un truc tomber par terre. Ah, fuck you. Bon, ça couvre un peu plus. Ah ouais, la résine. Ah mais ouais, mais il y a des bulles dans la résine aussi, c'est normal qu'elle pète. Putain. Je l'ai chauffé, elle a cassé direct. Bon là, c'est de la base, hein, donc rien de fou encore. Je passe juste suffisamment de couches. Là, j'ai un peu moins dilué la peinture pour qu'elle couvre un peu plus. Donc ça c'est un truc important hein, pour s'adapter en peinture, c'est pas se dire je dois tout le temps diluer pareil et tout le temps faire pareil et tout le temps machin. Non, en fait faut tout le temps s'adapter. Des fois faut diluer, plus ou moins. C'est pour ça qu'on n'a pas de pourcentage de dilution à vous donner en fait. Non parce que... ce qu'on peint. Voilà, et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'après, surtout quand on éclaircit, c'est que plus on est clair et plus on va avoir tendance à un peu moins diluer. Parce que le pigment clair il est un peu plus chiant pour marquer. En tout cas, je sais que la Prince Auguste, c'est comme ça, il est un peu plus relou. Bon, à quatre pattes, la chance qu'on ne voit pas. Oh, putain, je vais retrouver ça où? Ah, je n'ai pas envie de la sculpter en plus. Ah, t'imagines chez moi quand je perds un truc comme ça, c'est la galère. Bah, moi, c'est un petit peu rangé ici. Donc, déjà, faut que je regarde à quoi ça ressemble. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne vais pas retrouver. Voilà, la dilution, faites gaffe, il n'y a pas de règle unique. Il faut juste. Faire attention et changer de temps en temps sa dilution. Je suis à quatre pattes derrière ta marque. Je vais pas bouger comme ça. On va trouver un truc. Mais c'est pas ça. Ah, j'ai trouvé ton truc, t'en as. Mon truc. Ah, il est là. Génial. Il a volé tout seul. Je trouve trois trucs, mais je suis toujours pas trouvé mon truc. Bon, voilà, j'ai posé vite fait la base. Sur donc la jambe, hein, je vais pas faire plus. Ouais, parce que ça reste une des zones les plus larges, donc c'est là où on verra un petit peu plus ce qui se passe.
Donc bon, vous voyez la couleur hein, là, la caméra avec la lumière et tout, elle est tellement proche du blanc que on voit quasiment pas la différence. Ah, tu vas bosser les blancs là? Ouais. Attends. Mais quand je dis que c'est très proche, hein, vraiment. Là, il y en a qui vont dire, ça fait 20 minutes que tu peins du blanc sur du blanc. C'est Voilà, pas c'est ton ça. truc. C'est ça. À rembourser. On veut pas. Là, voilà, là c'est Ouais, bon. on verra mieux les contrastes Là, tu le là-dedans. vois, c'est mieux. Ouais. Tu le vois là, le Ouais, gris, on le voit entre blanc. les deux, ouais. Tu le On vois. voit que là, c'est effectivement un peu plus gris que là. Où là, j'ai pas du tout passé la On va peinture. même accentuer. Voilà, c'est bon. Super. Tu imagines que je fais ça tout le temps, moi aussi, hein? Ah, c'est bien Parce que nos relou, peintures, bah, vont pas du tout à la cave. hein. Donc, là, je vais attendre juste un tout petit peu que ça sèche. Et après, je vais commencer à faire les premières ombres. Donc là, c'est des ombres qui vont être faites tout en petits glacis lavis successifs pour petit à petit créer les premiers volumes et rentrer la couleur donc dans les creux. Bon, aïe. J'attends juste un petit peu, hein. Si vous avez la moindre question sur n'importe quoi aussi Demander la taille concernant les peintures, de... n'hésitez pas. Oui, je précise parce que. Ah, j'ai trouvé. Putain. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le carré blanc de Whiteman. T'as trouvé? Ouais. Chez toi, tu le perds, c'est fini, ça. Ah bah moi je suis mort. Je suis Mais en tu train de rigoles, mais ça refaire, m'est je suis en train arrivé. de refaire que du journée mat. Et comme tu connais, je suis un sale con, donc j'ai pris l'illustration et je suis en train de Ouais. refaire la sculpture. Parce que là, il y a des trucs, il y avait un truc qui était à l'envers. Alors maintenant, je vais prendre mon bleu, vert bleu. Alors celui-là, j'ai jamais entendu parler de Vous voyez celui-là. l'état du pot, je peux vous dire qu'il est vieux. Il existe peut-être même plus. T'as le numéro? 974 là. Si le numéro n'a pas changé, je ne pense pas, mais. Ok. Et même la peinture dedans, je pense qu'elle doit être assez compacte. J'ai mis la photo des peintures. On reprendra de toute façon ce que tu as utilisé tout à l'heure. On reprendra en photo. Et je l'ai mis sur le Discord et vous allez voir sur Masterclass Martin Van Barbe, vous Alors aurez les photos. effectivement. Avec Prince Auguste ou les pots comme ça, faut pas hésiter à venir Moi je le fais aussi. avec un trombone ou n'importe quoi. Avec ton sexe. Avec ton sexe. Ah bah voilà, tiens, la peinture elle est tellement contente, elle sort toute seule. Ah bah quand tu titilles le bout, ça sort tout seul. Hein. Voilà, c'est un pâté dedans. Elle était plus bonne d'ailleurs. Elle est toute compacte. Oh Elle est tellement vieille. Bon voilà, ça va marcher de toute façon. Alors, putain, j'ai trop de raisons. premières ombres, donc, avec la première couleur, pour l'armure pastel, Dessinwool. Ah, ça fait 4 heures qu'on Le attend vert ça. bleu. Donc je l'ai bien dilué, pareil comme d'hab, je fais toujours une partie sur la palette en 50-50. Et là, je vais vraiment venir la glisser petit à petit dans les zones d'ombre. Donc pas seulement en fait dans les creux qu'il y a en fait comment dans de graver sur l'armure, mais j'ai aussi généré des volumes supplémentaires pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Même si ça va être un truc assez subtil et fin à la fin parce que c'est tout petit, hein. Est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est bon. J'essaie de pas trop bouger. Je suis désolé, hein, j'ai absolument pas l'habitude de faire ça. Donc dans les creux, j'y vais de façon très précise pour bien en fait conduire la peinture dedans. Et là, c'est pareil avec ça. Bah, il n'y a pas besoin de mélange parce que c'est que des superpositions très fines de couleurs pastel sur sur une base très claire. Et ça suffit amplement parce qu'il y a plein de petits volumes de dégravures et tout ça sur l'armure. Du coup, ça se fait tout seul. C'est juste que faut créer tout doucement. Alors après, l'avantage, c'est que étant donné que le fond est très clair, la couleur, en fait, même si elle est pastel, elle va vite se prendre dessus. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de passages,
avant d'avoir un résultat en fait qui soit bon. L'idée, c'est de garder vraiment quelque chose de très fin. Oh, cette blague. Surtout que les petites gravures sur les armures des Sinuels, elles sont sympas, elles sont pleines de petits volumes dedans. Valero nous dit que leur peinture se conserve 5 ans. Possible. Attention, on a Lost in Translation à droite de Martin. D'accord. 200 couches suffisent, ça se fait tout seul, ouais. Non, là ça va, juste quelques-unes et c'est bon. S'il vous plaît, arrêtez de taunt notre invité. Bon, après, je sais pas si ça se conserve 5 ans, mais moi ça fait. J'ai des vieilles peintures et certaines, bon, ça va encore. Là, tu vois, même si elle est un peu épaisse, au final, faut que tu refous un peu de la flotte, ça roule, quoi. Ah, celui-là, c'est un pot que je dois avoir depuis cette époque-là, en fait, je pense. 15 ans, non? Depuis l'époque des Sinewall, parce que j'ai dû les prendre pour chez moi. Quand. Ou, justement, si je devais en faire chez moi. Donc là, ça va créer de légères variations. Lol, il était sculpté à l'envers, ce gars. Donc il y a plein de petits volumes à la con sur leur armure. On peut faire des erreurs comme ça. Qu'il faut venir aller chercher. Donc par endroit, sincèrement, ça se peint un peu comme un. Presque comme un wash, en fait. Hein. Je vais juste faire en sorte que sur les certaines surfaces, même si elles sont très petites et qu'il y en a peu, je vais faire en sorte de tirer un petit peu plus la couleur pour qu'on la voit un petit peu plus dessus. Bon, sinon, ça fera un petit peu. Ce sera un peu trop plat. L'objectif, c'est d'essayer de quand même conserver des volumes. C'était les studios. C'était les peintures du studio, pas vos propres pots. Ouais, on avait des peintures au studio, on avait un rack complet de chez Prince Auguste, en fait, avec tous les pots dedans, qui était au niveau de la peinture, donc c'était plutôt cool. Et on avait comme ça, pareil, quelques peintures de Games. Mais c'était heureusement d'ailleurs, hein, que c'était quand même la boîte qui payait tout ça. Hein. Déjà que c'est un peu les miséroïdes à certains niveaux. Heureusement qu'au moins là-dessus, niveau matos, c'était cool. Tout. C'était eux qui achetaient les pinceaux, c'était eux qui achetaient les lampes. La lampe que j'ai chez moi d'ailleurs, je l'avais achetée chez Rakam. C'est exactement la même lampe qu'on avait au studio. Et la truc, elle a. Elle a comment elle a encore trop bien vieilli, j'ai changé son néon qu'une seule fois il n'y a pas longtemps. Il n'y a rien d'évident vu la professionnalisation du milieu. Ouais, tu m'étonnes, Rémi, hein, putain. Ça change pas trop ça. Hein. C'est toujours un peu en mode walou là-dedans. Mais c'est ça les grands ados qui font du jeu de figue, hein, tu vois. C'est pas des gens, c'est Ça pas change des pas, hein. entrepreneurs, hein. C'est pas des Ça entrepreneurs. change pas du tout, hein. Moi ça me fait halluciner encore. Et c'est pareil un peu partout, hein, je vois. Hein. C'est essayer de jouer les sérieux, et puis en fait. Ceci dit, je pense que en tant qu'entreprise, chez Games, c'est pas la même. Hein. C'est l'anglo-saxon. Pouvoir discuter, ouais, en plus c'est anglo-saxon, alors ça rigole pas. Mais pour avoir discuté avec quelques potes là qui bossent là-bas, c'est pas pareil. Hein. C'est quand même plus pro, mais c'est moins les quepons de l'époque. Parce que bon, ceci dit, Games en même temps, ils étaient tous. C'était tous des quepons là-dedans au début. Ah bah tu regardes Jaune Blanche ou Tu regardes les photos dans les vieux White Dwarf ou quoi. c'est C'est la fête drôle. du quepon. C'est rigolo. Donc nous, là, chez Rackham, c'était un peu le bordel. C'était un peu Gogol Land quand même. C'est Stéphane Nguyen qui a très bien résumé tout ça en disant qu'ils avaient réussi à concentrer en fait au sein d'une même entreprise
un sacré nombre de gogoles. Où ça? Chez Rackham. Ah! Et moi j'ai défriché en arrivant au début. Et je trouve qu'il a entièrement raison, parce que putain, c'était par moments assez folklore. Et derrière, ça, en plus, ça voulait te faire des grandes leçons, machin et tout. Ouais, mais tu vois, c'est la chance de ta vie. Cale-toi à gauche, parce que là je suis au bout. Cale-toi à gauche. Surtout que t'es plus dans la cam. Je suis dans la cam là. Non, on voyait pas ce que tu faisais. Hey. C'est bon. Je suis un vrai camboy, moi, laisse-moi. Je suis chiant, Un peu, ouais. hein? Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, j'ai fait la première couleur, Fini mon carreau? le vert bleu. Et on voit tout de suite que ça l'a coloré. Bon, ça reste là encore à la lumière, c'est moins fort en fait que dans la réalité. Je vais le laisser un petit peu sécher et après je vais faire pareil avec le suivant, c'est-à-dire le bleu violet, qui va permettre donc de donner plusieurs couleurs dedans. Non, je vais rajouter, je vais réinsister un peu quand même. Ah, vraiment là, le Simo, j'ai aucune de tes peintures. Ce Bah, j'ai fait beaucoup de mineurs de dire de. sont mes Ah, petits c'est un peu plus vert, oui. chouchous. Couleur, non, c'est pas ça. Calme. Oui, c'est pour supposer créer le nacré. Alors. Après, ceci dit, des petites, ça pourrait être joli aussi avec des peintures métallisées dans les éclaircies là. Ça donnerait un petit côté un peu J'essaye de irisé. remonter. Ah, je suis pas mal en sature là. Ouais, c'est pas mal, ouais. Je vais monter un petit peu. Bon, bah, ça c'est cool. Ah, c'est compliqué, hein, je vous ai dit, les copains. Le blanc sur du Bah noir, la là, moi cave, j'avais un peu c'est peur de ça très quand très même. Hein. blanc. Mais je sais, parce que je le fais tout le temps, hein, à changer la J'avais un peu couleur. peur de ça en faisant ce sujet-là, là-dessus. Je pense qu'une prochaine fois, il faudra faire un truc peut-être qui se voit mieux ou quoi. Ça change rien en fait, malheureusement. Mais blanc, blanc, blanc. En plus, tu t'es mis un fond noir, donc déjà, c'est relou. Bah pourtant c'est mieux, non, pour voir. Non, mais ça sature, ça Ah. rend la plaque. C'est pour ça que moi j'ai un fond gris. Ah. Ça casse tout en fait. Mais ça fait rien. Mais moi, toute la journée, moi, je suis tout le temps en train Ouais, de ça régler les va, tu vois couleurs. quand même, parce que bon, je sais pas, moi c'est difficile à me dire si. Non, non, mais là, c'est bon. Moi, c'est exactement ce que je vois. Hein. Mais par exemple, tu vois, par rapport à la ta main, regarde comment elle est ultra saturée rouge. C'est clair. Et moi, en fait, je leur dis, regardez pas ma Des main, mains de regardez main. la figurine en fait. À chaque fois, je la Ouais. corrige pour l'avoir la même sous les yeux. Ouais, donc là, on voit légèrement les premières nuances qui sont. Ouais, c'est ça en fait. C'est effectivement ça. De quoi? C'est un poil trop jaune. C'est trop jaune? Ouais. Ouais, c'est Rémi qui dit ça, effectivement. Ah oui, il y a du jaune là, effectivement. Ouais. Alors attendez. Bon, il dit, on voit. Donc c'est déjà ça, c'est qu'on puisse au moins voir Bah, c'est le problème, c'est les que nuances j'ai dedans, pas une c'est déjà bien. caméra. Peut-être diminuer la saturation, peut-être. Comme ça, on aura moins de jaune. Ah là, c'est bon, elle a disparu. Il n'y a plus de jaune là, non? Ah, il Ouais, n'y a j'en plus de vois de jaune. moins en moins. Ouais. Par contre, le vert a disparu. Non, on le voit encore. Il est juste un peu moins. Quel bordel. Et ouais, on n'a pas une peinture graphique, nous, comme ça. Voilà, c'est mieux. Voilà. Là, Donc là, j'ai juste fait des petits lavis successifs avec le vert bleu. Étant donné que le fond, la couleur de base est très claire, mais en fait, ça vient de colorer légèrement. Et en insistant un tout petit peu, hein, pas trop, ça vient juste colorer un petit peu plus. Et donc, en gros, sur une surface, en fait, j'essaie simplement d'étendre, même si les surfaces ne sont pas très grandes, j'essaie simplement d'étendre un petit peu bah c'est la même chose. la couleur en fait dessus, parce que derrière, je vais repasser carrément encore avec la couleur de base, puis il y aura le blanc en plus. Mais en gros, l'idée, c'est que le fait de déborder sur une zone pour revenir repasser dessus, etc., etc., ça vous permet de bien corriger en fait les volumes et les nuances que vous voulez faire. Parce que c'est la succession de comment? C'est barré. C'est la succession de peintures en fait transparentes qui viennent s'additionner au fur et à mesure dessus et créer des effets.
Ouh là, on vient de prendre 1,5 degré. Allez, bientôt dans la jungle avec Predator. Bah moi c'est bien, c'est que c'est une scène. Alors. Donc pour mes bandes-up, c'est cool. Oh, mais c'est chaud. Là, ça a l'air pas mal. Donc je vais pouvoir attaquer le bleu violet. Donc là c'est pareil, c'est une couleur. Oh là, le pot il est content, hop. C'est une jolie couleur, assez pastel, qui s'associe bien avec en fait le vert que j'ai déjà mis. Et alors là, donc faut faire gaffe, parce que ça peut vite quand même, vu que ça reste un truc très clair, ça peut vite en fait mettre, enfin créer des marques. Donc là j'ai bien dilué la peinture. Et je vais venir doucement la poser dans vraiment les creux et un tout petit peu, juste un petit peu dans les surfaces pour que ça interfère et que ça se... En superposant en fait, ça va un peu jouer avec le vert qui est en dessous. Mais là, je réduis par rapport à avant la zone dans laquelle je travaille. Donc, au niveau des zones d'ombre, hein, je parle. Donc faut faire gaffe. Faut pas que ça crée des marques. Attends, mais je migre, c'est un truc de fou. Ah ouais, je l'ai vu. Hein. Vas-y, fais ton truc. Hein. Mais c'est plus, t'as vu? Regarde. De quoi? Là, à l'écran, là, regarde. Ouais. C'est plus synchro. C'est normal. Normal. Là, t'es pas synchro, t'es en décalé. Lève là ton synchro. Ah, c'est ça qu'il faut. Il y a toujours un décalage. Ah. Donc là, il va falloir y aller progressivement. C'est encore une fois des petites touches. C'était ça donc qui était rigolo avec les cinéwalls, c'était de venir utiliser des petites couleurs pastel comme ça dedans. Ah, tu pousses ta peinture avec ton pinceau, toi? Bah bien sûr, obligatoirement. Ah, moi je fais... Ah, je tire, moi je tourne ma figurine. Avec la pointe, quoi. Ah, moi je fais pas, oui, c'est vrai, je fais pas du tout ça, moi. Bah, comment tu veux faire de pas pousser et plutôt tirer la peinture. Bah, si, là je pousse le pigment, tu vois. Mais si tu retournes ton pinceau, ta figurine, tu la tires en fait, finalement. Tu retires comme ça, ton pinceau il va toujours dans le même sens. Oui, enfin, en fait, tu fais la même chose. Oui, mais ça, peut-être que ça use moins ton. C'est pour ça que je disais que tu poussais, moi je t'ai jamais vu pousser la peinture, moi. J'en ai fait trop bien. Je pensais que tu faisais que la tirer. Voilà, après, c'est que des. Tout petit machin, hein. C'est pas très très... Ça, ça doit bien défoncer la pointe à faire ça, hein. Putain. Ben oui, oui, surtout avec les détails. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, quand tu te poses devant ta vitrine et t'as 240 figurines bon, à faire... Si ça déborde un peu, juste un peu, c'est pas très grave. Derrière, il y aura toujours moyen de revenir corriger. Donc c'est des nuances qui sont très subtiles, dans le sens où c'est très pastel, très léger. C'est pas clair. Donc ça vient un tout petit peu se mélanger, un tout petit peu superposer. Et c'est ça qui va créer les couleurs typiques de nos petits cinéwalls. Nos elfes qui aiment méditer dans la montagne avec les dragons. Donc faut pas hésiter hein, à faire plusieurs passages à chaque fois hein, dans ce que vous faites en fonction de comment le pigment il va jouer avec le reste pour être sûr que on ait une bonne uniformité à la fin. C'est-à-dire qu'à peu près partout, les tons violacés ils soient pareils. C'est ça qui est important. C'est pas se dire je fais juste un passage et je m'arrête. Faut toujours refaire des petits passages, insister un peu, que la couleur prenne bien. Alors on commence à voir un tout petit peu les tons violacés dedans. Ça crée des jolies nuances. Il y a un côté un peu presque floral, je trouve. Moi, ça me fait un peu penser aussi à... Ah oui, t'as raison. Des tulipes. Un peu à des menthes religieuses aussi. Ah oui. Ou... Les orchidées.
Les orchidées, ouais, tout à fait. C'est une plante qui ressemble à une... un truc féminin. Les elfes sont des êtres sensibles. Et en même temps sans cœur. Oh, comment est-ce possible? Et hop, une histoire manga. C'est parti. Avec des guets, etc., etc. Donc faut garder ça très fin. Oh, oh, oh. Oh la vitesse que ça monte. Je ne sais pas si on voit trop. Pour l'instant, si on voit que ça commence un petit peu à prendre, ça commence à créer. Donc je viens aussi bien insister dans tous les creux de toutes les gravures qu'il y a sur l'armure. Pour que vraiment ça se démarque bien. Parce que là, toute la difficulté, c'est qu'en ayant un truc très clair comme ça, il faut être sûr que chaque détail, chaque volume, ressorte bien à la fin. Sinon, ce sera plat. Et il se passera absolument rien. Il faut vraiment qu'on voit toutes les gravures. Là, c'est juste que c'est une couleur qui n'est pas trop violente. Mais je m'assure de bien la tirer partout. De toute façon, la peinture, hein, c'est ça. Hein, c'est toujours. Il faut être patient. Ça se construit au fur et à mesure. Et au début, même si le résultat en fait n'est pas super, ben, ça vient, si vous voulez, à force de construire et de changer un peu les choses. Faut être patient. Et méthodique. Parce que là au départ, en fait, en faisant ça là, ben, ça crée des trucs pas forcément réguliers partout. J'essaie de minimiser la casse, mais il y a des zones, j'ai pas le choix. Mais je sais que après, vu que je vais repasser par-dessus, ben, en fait, ça va recorriger et tout va devenir très lisible, très clair. Et très clean. Donc c'est un peu normal, faut pas s'inquiéter hein, au départ si jamais. Si jamais ça paraît pas clean. Oh non, ça va là. Alors on voit ça commence un petit peu. Hein, un petit peu plus là. Les tons violacés commencent à bien se démarquer. Il est important de conserver tout le vert en dessous. Hein, parce que c'est ce qui veut jouer avec le reste, une fois qu'on va commencer à retaper les éclaircies. J'espère juste que mon pot, il va pas trop me prendre la tête, là, mon gris, parce que... Enfin, mon aluminium mat, parce que je trouve que... Pour le coup, il est vachement transparent. Donc j'insiste. Bien dans chaque creux, je vais être sûr que ce soit pareil partout. Donc j'ai très peu de peinture sur le pinceau. J'essaie d'être assez précis. Un gros sommaire d'eau quoi, parce que après ça peut être pas très grave s'il y a un tout petit peu de débordement. J'espère juste que ça va marcher derrière. Voilà, on commence un petit peu plus à piger. Déjà les volumes sur un truc qui est assez clair. Je sais pas ce que ça rend vraiment. Donc en gros l'idée, ben, en faisant des couleurs comme ça, c'était de donner un aspect un peu... un peu poétique en fait au peuple
Et ça marchait bien avec le côté méditation, tout ça, être un peu éthéré parce qu'ils étaient planqués pendant une très longue période, isolés dans leur coin, sans se mêler de la vie des autres. Donc ça leur donnait presque un côté aussi fantôme, un peu cette couleur, un peu être éthéré. C'est pour ça que en fait on était parti là-dessus. Ça collait bien avec l'esprit. Et puis le blanc, ça claquait bien. Tu sais si John O a utilisé ta palette pour son Illusion Wall ou s'il a fait son truc dans son coin? Écoute, je suis plutôt content de me dire que vu que l'illustration a été faite après, que les figurines aient été faites, enfin en tout cas une bonne partie, même s'il ne me l'a pas confirmé, parce qu'on l'a vu une fois, c'était pas quelqu'un qui était très causant. Comme ça non plus, mais je pense pas te dire bêtises, dire de bêtises s'il s'en est inspiré directement au niveau des figurines, oui. Je pense, oui. Parce qu'effectivement, on retrouve un petit peu ce côté-là dans son illustration. Et je voudrais pas dire des conneries, mais oui, je pense, je pense. Ce qui me rend plutôt content, hein, au final. Mais John O, il a fait aussi des guest box pour Massive Darkness. Oui, Non? bien sûr, oui. Et d'ailleurs, ils étaient très single, hein, les couleurs de peinture d'ailleurs. Je sais plus, mais. Bah, faudrait Après, revoir. il a une palette de base qui est assez. Assez pastel, hein. Ah, John Hoon, c'est ça? John O. Hoon? Oui. Je l'ai là. Le monsieur qui fait à la base des trucs pour Tolkien depuis très longtemps. Ah non, pas du tout. Hein. La palette n'est pas du tout de cette couleur. Et il avait fait une illustration pour Akam. Ouais. Pas du tout pastel, hein. C'est beau, hein. J'ai même pas commencé. Alors c'était rigolo parce que Paolo il n'aimait pas trop parce qu'il pouvait pas faire des blagues avec lui. Bah il rigole pas ce monsieur. Je ne l'aime pas. Incroyable. Ça fait chier, faut que je fasse du green. C'est sûr que quand t'avais Paolo, des fois qu'il Ouais, éboulait, c'est ça, une boîte ouais, de zombies, c'est t'as raison. il éboulait des fois au studio avec sa cagoule de catcheur en mode bah pendant qu'on était tous concentrés. Ça, c'est Paolo, hein, c'est pas John. Hein. C'est Paolo, ça. C'était marrant. Il venait fouetter Guigui là. Oh putain, les deux là, ça devait être. La chose que j'étais plus là, hein, ça aurait été n'importe quoi ce Mais studio. c'était déjà n'importe quoi. T'imagines, là, tu mets du Guigui, du toit, du Dolotrembad, c'est moi, c'est fini. 80% des peintes, c'est n'importe quoi. Ça aurait C'était été. déjà n'importe quoi. Ouais, mais ça aurait été encore pire. Je te jure que. Pff. Mais bon, c'était rigolo. John, ça a l'air d'être un taiseux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un taiseux, complètement, je pense. À quoi? Un taiseux. Je connais pas. C'est quelqu'un qui parle très peu. Ah. Tu vois? Comme terre, Très, taiseux? mais c'est quelqu'un de très sérieux, en fait. Dans sa façon de faire, etc. Putain, mais où, non? Mais c'est vrai que, tu vois, je me souviens maintenant, là, vu que t'en parles, que quand j'avais vu l'illustration pour la première fois, en fait, je me suis dit ça, je m'étais dit ça tout de suite. Je me suis dit, putain, génial, il avait. Je suis Avait. sûr qu'il s'est inspiré des peintures de figues. Et moi à l'époque je t'avais parlé, Je je suis fais trop putain, content. et c'est moi à l'époque j'en avais parlé, je dis putain, t'as repris le schéma de lui, et toi tu m'as dit bah non, c'est moi qui avais fait le schéma, mais il y a très longtemps, je sais plus à combien d'années, j'ai dit putain, c'est trop bien, en fait t'as dit non, c'était moi qui avais fait le schéma, j'ai dit oh trop cool, ouais, le schéma où on voit les signaux à la droite avec le dragon et tout là, Ouais, c'est c'est ça, ça, c'est ça. ah, il est trop trop Ah beau ouais, ce elle est schéma. magnifique, cette peinture. C'était cool quand même qu'il ait pu faire un truc chez Rackham. Enfin, pour Rackham. Il n'avait pas fait grand-chose, si. Il avait fait des autres trucs, Non, si. il avait juste fait ça. Ah, il avait été inspiré. Hein. Ah, elle était. Cette illustration, bah, elle a été commandée, hein, de toute façon. Ah, ok. Je n'avais pas pensé. C'était Jean B qui lui avait commandé. Ah.
Parce que Jambé, il avait ses petites. Ses trucs fans, hein, c'est normal. Hein, Le célèbre. parce que c'était quand même quelqu'un qui avait une bonne culture de la fantaisie. Hein. Bah, c'est peut-être le seul truc qu'on peut lui accorder. Oui, c'est ça. Le reste, c'est goulag. Dérague, laisse tomber, hein. Non, Direct. on peut pas dire ça en ce moment. Rentre chez Watt. Alors, t'imagines, moi, avec ma grande gueule et avec lui, alors qu'on était que 15 à l'époque, c'était compliqué, hein. Bon, voilà, j'insiste encore. Je vais bientôt finir avec le violet bleuté. Ce que je veux, c'est vraiment m'assurer que le pigment soit bien fort dans les creux. Pour pas avoir un truc trop pâlot. Et comme je disais tout à l'heure, l'objectif, ça va être de faire en sorte que tout ressorte bien au niveau des volumes. Voilà, déjà on voit un peu plus, hein. Ça commence à. Ah, tu mets le bleu violacé là? Oui. Le bleu marine foncé, le bleu salé. On commence déjà à avoir une meilleure démarcation. Ah oui, c'est cool. Surtout. Parce que ça, c'est important. C'est ça qui est difficile avec des schémas vachement clairs comme ça. C'est de s'assurer que tous les volumes se comprennent bien. Et tu sais que le blanc là, qu'on me demande, moi, beaucoup, ils ont du mal à peindre. Le blanc tout court. Bah, en fait, cette façon-là de peindre pastel. Je me rappelle avoir fait quelques figurines de pastel il y a très très longtemps. D'ailleurs, je crois que je t'en vois dans la vitrine. Et on me disait, waouh, c'est trop compliqué le blanc et tout, tout ce qui est des pastels. Pourtant. Mais en fait, c'est toujours un truc qui, je sais pas pourquoi, qui est compliqué. C'est comme le noir. Il y a toujours cette espèce je sais pas, de légende comme quoi c'est compliqué. Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'au final, pour les deux cas, il suffit d'utiliser des teintes un peu gris-bleu et ça fonctionne. Bah, moi, je pense plutôt c'est parce que c'est le fait qu'il soit glacé et dilué en fait, ce qui Et c'est donne parce que accès aux c'est, anneaux. ben, ce qu'il y a, c'est que c'est, disons que la seule difficulté, la vraie, c'est parce que c'est très clair. Et donc, par défaut, c'est les comment? C'est que les erreurs se voient encore plus, quoi. Ouais, c'est ça. En Sur gros, voilà. Hein. du noir, tu peux faire des erreurs, ça se voit pas. Non. C'est pour ça que la sous-couche noire est bien pour les débutants. Mais sur tout ce qui est très clair, oui, ça va se démarquer rapidement. Mais c'est ce qui va jouer, ça va être la propreté de la peinture et c'est justement toute la dilution qui va se faire avec. Bon, là, je pense que je dois être pas mal. Je vais peut-être pas aller plus loin. Ouais, t'as bien avancé hein, pour quelqu'un qui parle lentement. Hein. Ouais, mais après, les trucs sont tout petits. Hein. Mais de Et toute puis, je façon, fais ça pas sert. De l'ensemble de la figue. toute façon, ça sert à rien d'aller trop, la caméra, ils ne le verront pas. Bon, voilà, je pense que je vais pas aller plus loin pour l'instant avec cette couleur. On vous rejoint après la prochaine page de Voilà, pub. on commence à voir un peu là. C'est pas mal. Mais donc ça, c'était juste les ombres. Donc sur l'armure, c'est tout. C'est des petits lavis progressifs avec le vert bleu. Puis je fais pareil avec le violet bleuté, mais je viens juste insister un petit peu plus avec le violet bleuté dans les creux, pour être sûr que le truc se démarque bien. Parce que si vous êtes trop léger, on verra absolument rien, on comprendra déjà rien. Déjà que en photo, ça à prendre en photo, c'est de la merde, c'est chiant. Tout ce qui est blanc, en fait, c'est chiant à prendre en photo. Donc bon, moi j'aime bien insister un petit peu plus pour être sûr qu'en fait on commence à bien piger. Mais si on regarde bien, bah, c'est pas encore très propre, quoi. Moi, il faut que maintenant je vienne corriger ça. Et ça va se faire par le biais de la couleur de base, puis le blanc. Donc ça peut prendre un petit peu de temps aussi parce que il faut insister, il faut être sûr que la peinture couvre bien. Alors, il faut que je fasse gaffe là parce qu'il y a tous tes câbles. Ouais, fais gaffe quand tu mets un coup de pied parce que t'as le PC juste en face de toi. Ouais, c'est ça. Sinon, on va faire sauter le bordel. Sinon, tu te redécales à gauche et ça c'est pas de soucis. Voilà, hop. Hop. Ils font suer ces gens qui font du racam. Si je ne sors pas un ou deux figues pour essayer ça, je voulais peindre autre chose. Ah. C'est qui? C'est un nouveau qui vient C'est d'arriver là? Siegfried. Ah, c'est Siegfried. Bon, après, t'es pas obligé, hein. C'est juste, bon, on s'était dit avec Stéphane, tiens, ça pourrait être un sujet sympa. En plus, ça fait un moment que je bosse du Parce racam, que moi. les Sinwall étaient assez particuliers quand même, donc.
Mais bon, tu sais, ils sont pas si compliqués que ça à peindre, hein, parce qu'ils sont tout petits. Les volumes sont pas très 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 fous au niveau des dégradés. C'est juste que la seule part compliquée, c'est la précision qu'il y a derrière, c'est tout. Mais le reste, ça va en fait, hein, c'est pas... Ils sont pas fous de ce côté-là. Allez, je vais reprendre mon aluminium mat. Si vous donnez envie, c'est le but, non? Bah tant mieux en fait. Tant mieux que ça donne envie, c'est bien. Bah, le fait que j'ai repris du racam, Martin fait du racam et que Sermino, qui est donc un copain, refait du racam, bah, en fait, ça relance en fait. Après, c'était cool, l'univers était super chouette quand même. Ouais, bien. Moi, je suis surtout fan des illustrations, donc en fait. Ben, les bouquins étaient magnifiques, hein. Bah, moi, je suis grand fan des illustrations de Paul Je vais Bonnard. tester ça sur quelques figues Assassin's Creed. Ouais, bah carrément. Ça doit bien marcher. Vu que t'as plein pas mal de blanc. Oh, je suis pas sûr. Je pense que ça ira sur les boss de l'Animus. C'est quoi l'Animus, Rémi? Moi, j'y connais rien aux jeux vidéo en plus. Je joue pas aux jeux vidéo. À chaque fois, il me dit des trucs aussi, je ne sais pas comment il parle. Mais des yeux lancés. Je connais. Non, mais c'est juste que j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo. Alors. Je connais pas du tout l'univers. Hein. Hormis que c'est un mec avec une capuche qui fait partie d'une confrérie et il s'amuse à sauter sur les toits Ou depuis les toits. pour assassiner des gens. Guilde des Des assassins. politiques. Ah, ok. Allez! Je reprends donc mon aluminium mat. Et. Putain, il est vachement transparent. Je sens que je vais galérer. Et je vais venir insister sur les volumes. Surtout les petites gravures aussi qu'il y a dessus. Pour faire en sorte d'avoir un truc plus propre derrière. Mais alors putain, je sais pas pourquoi cette peinture-là, elle me saoule. Le pot, il est pas génial, hein. La couleur d'aluminium, ça, c'est pas en visuel le même mélange si on faisait du blanc et tu sais, la couleur qu'avait trouvé Jacques Alexandre, tu t'en rappelles? Non. Tu sais qui mélangeait son. Alors je sais pas si c'est Jacques Alexandre ou. Non, c'est un autre, je m'en rappelle plus de son nom. Qui faisait des bases avec du blanc et du mitri. Tu t'en rappelles de ça ou pas? Je sais plus si c'était Jacques Alexandre ou quelqu'un d'autre. Tu parles de quoi en couleur métallique? Ouais, tu sais, il faisait des bases avec une sorte de métal, il mangeait. Alors, je sais pas, moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était quand j'avais peint du Eldorado pour Asmodée. Et en fait, vu que tu avais l'équipe derrière avec Thomas David, Jacques Alexandre, en fait, c'est Thomas David qui m'avait filé les recettes Ah, bah c'est Thomas David, je me souviens. de ce qu'ils utilisaient pour peindre la gamme. Et effectivement, pour le métallique, ils mélangeaient des couleurs mat avec des peintures métalliques, c'était leur base. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça C'est qu'il une sorte de simulation qui permet de revivre les mémoires de tes ancêtres. D'accord. Et comme c'est un programme informatique, il y a des projections éthérées qui ressemblent à des sortes d'hologrammes. Ah bah oui, c'est parfait, effectivement. Si ça a ce côté un peu éthéré, c'est nickel. Mais s'il commence à faire du jeu vidéo, c'est mort, on ne les voit plus. Alors pour être honnête, j'ai rien contre les jeux vidéo, mais juste j'ai pas le temps, la vie est trop courte. Ouais, Et c'est ça. je veux peindre. Je veux peindre, je veux faire des kits. J'ai encore trop de choses à faire. J'aimerais bien les faire avant de On a crever. quand même déjà largement dépassé la moitié. Et ça, c'est pas fait pour s'accélérer. Hein. Donc là, c'est un petit peu long aussi, parce que la couleur, elle est très claire, et puis elle couvre pas beaucoup. Donc j'ai essayé de l'utiliser un peu moins dilué, et je force sur les zones où il y a donc un petit peu le vert et le violet en dessous. Et ce qui se passe, c'est que par transparence, ça vient légèrement recouvrir ces trucs-là, et en même temps, la transparence fait qu'on les a un petit peu en dessous. Donc ça vient faire un truc très clair et légèrement nuancé. Ce qui fait que ça fait une jolie couleur. Je sais pas si on verra bien. Mais ouais, on voit que ça commence en fait à petit se être plus propre quand même.
Donc là, je viens juste tirer la peinture. Donc clairement, là, je ne l'ai pas beaucoup dilué. Hein. Vraiment, ça aurait été un problème. Donc encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, ça fait partie des trucs dans la peinture, faut s'adapter. Et faire en fonction des peintures. Sinon, on ne s'en sort pas. Parce que des fois, la peinture, elle décide pour nous. Yep. Juste faire... C'est pour ça que je la tire bien aussi, pour faire gaffe de pas générer des épaisseurs. Je continue doucement. En fait, ça va venir gommer les quelques imperfections. C'est-à-dire la peinture en fait qui a un petit peu trop débordé sur les surfaces. Donc c'est pour ça que je reviens toujours avec la couleur de base. Hein. Une fois que vous avez fait un truc comme ça, systématiquement, dès que j'ai fait les ombres, je reprends avec la couleur de base pour retravailler sur les volumes. Pour gommer en fait petit à petit ce qui ne va pas. Donc c'est un jeu de patience. Et c'est ce qui va garantir à la fin d'avoir un truc vachement plus propre. Et ça, vous verrez qu'une fois que je vais passer au blanc, ça va tout changer. En tout cas, j'espère que ça se verra suffisamment. Et donc, ce qui est bien, c'est que là, vu qu'on a un truc très clair, ben, l'idée, c'est pas d'avoir des ombres trop fortes non plus. C'est juste suffisant pour cet élément. Donc pas hésiter à faire à chaque fois, hein, c'est systématique, faire suffisamment de passages pour que en fait la peinture recouvre bien la zone qu'on veut travailler. C'est vachement important parce que c'est pour garder l'uniformité derrière, de la propreté, ce qui sera mieux pour la lecture. Donc si on regarde bien, hein, au niveau couleur, c'est tout con. Hein. Il faut juste 4 pots de peinture. C'est assez facile, il n'y a même pas de mélange. Ouais, pareil, moi je dis dès que ça dépasse 3 pots, ça devient chiant en fait. 3 couleurs. Juste, ça prend du temps. Parce que les couleurs claires, elles sont un petit peu chiantes. Oula, je vais péter la résine avec ça. Parce que sinon, si on n'insiste pas assez, bah en fait, il y a trop la couleur qui a servi pour les ombres là, qui déborde sur le reste. Et je vous cache pas que là, le pot, il m'aide pas quand même. Hein. Il est un peu chiant d'être transparent comme ça. Maintenant, je vais m'occuper un peu de derrière là. Donc aussi un truc à savoir, hein, qui est pas mal quand vous peignez, c'est de faire comment? C'est de faire attention à la pression que vous exercez avec le pinceau. Sur la figurine, quoi, pour faire gaffe de pas que ça dégueule pas partout, quoi. Ouais, enfin, c'est le level 1 des Sinewall, là, les Asadar et les Equanimes, c'est une autre soupe quand même. Putain, les Equanimes, c'était chiant, hein, c'était un peu le bordel, ouais. Les Asadar, au final, c'est pas si compliqué, c'est juste que t'avais une armure qui, au départ, est comme celle-là, mais tu définis des zones où l'armure, en fonction de la lumière,
en fait, devient doré. Tu vois, c'est comme un truc pour les peintures de bagnole, là, avec le côté un peu scarabée, là, tu sais. Caméléon. Caméléon, ouais, voilà, c'était un peu l'idée. C'était juste pour que aussi cette troupe-là, elle sorte un petit peu du reste et le côté doré donne un petit côté un peu élite. Et ça, c'était sympa comme idée. C'était une idée de Vincent, ça. Le tout, c'est, voilà, faut trouver les bonnes zones à traiter en doré, simplement pour que, bah, pareil, ça empiète pas sur le reste, que ce soit pas, ça reste lisible. C'était sympa à faire. Ah, c'était cool ces figues d'ailleurs. Je m'étais bien éclaté à les faire. Mon déambulateur, il fait du bruit. Donc là, j'insiste encore et encore. Je pense que je vais avoir pas mal de passages à faire là, à cause de la peinture. Qui va bien me compliquer les choses. Est-ce que tu fais un figostage prochainement? Bon, j'en sais rien du tout. J'ai pas prévu encore pour l'instant les figostages, j'ai mis ça en suspens. Et je ne sais pas du tout encore. Peut-être voir quelques cours, sinon privés à la maison, pourquoi pas. Mais pareil, je suis pas encore décidé. Au cas où les figots, tu peux les faire ici. Oui, bah oui, dans une fournaise, c'est pas mal. Ben après, tu n'es pas obligé de les faire aujourd'hui, là ou les prochainement. Ok, mes figots à poil alors. C'est ça, c'est parti. En plus, quand tu fais ce que tu fais là, tu peux le faire que pour les abonnés, là, ce que tu fais là, si tu veux. Et au cas où, tu le retransmets sur le grand écran qu'il y a derrière moi. Et donc, les gens autour de la table ici, ils peuvent voir ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Comme si tu faisais un rétroprojecteur, tu Ouais, peux le ouais. faire, tu vois. Sérieux, ce truc Games là qui fait du bruit là. Voilà, ça commence à prendre un petit peu la couleur. Malgré tout, malgré sa composition étrange là. Elle gomme un petit peu ce qui ne me va pas. Et le blanc m'aidera à finaliser cet aspect. Parce que ça, c'est chiant, hein. Quand il y a une peinture qui couvre mal, putain. Pour avoir le rendu qu'on veut. C'est peut-être ce que d'ailleurs beaucoup de peintres reprochent à la paire, c'est de ne pas être assez couvrante. Ah, ça peut couvrir, hein, mais là, je sais pas, c'est là. Je dis franchement, c'est mon pot, il est bizarre. Il y a trop. J'ai l'impression qu'il y a trop de. Comment? Médium. De médium dedans. Alors, est-ce qu'il y a trop de médium ou est-ce que le pot est resté depuis trop longtemps ou est-ce que c'est une comment ça s'appelle? Une formulation foireuse là de chez Prince Auguste, honnêtement je ne sais pas. Camo allemand brun foncé, elle a aussi un début qui est très bizarre. T'as déjà vu ou pas? Les nouveaux, il y a tellement de médiums dedans que. Oui mais c'est ça, ils ont changé de façon depuis quelque temps Je dis, mais pourquoi il y a autant de médiums? C'est leur magnifique. fabrication, j'ai l'impression. Donc je suis obligé d'en enlever pour commencer à avoir la couleur. Mais le médium il fait chier. Ouais. Ils ont peut-être limité les coûts hein, aussi. Hein. Je sais pas moi. J'essaie de gommer le plus possible là où ça me gêne. Toutes les touches en fait un peu de violet ou de vert. Pour essayer d'avoir un truc plus fin, plus lisse. Le médium est moins cher que le pigment, dit Rémi. Ouais, bah ouais, certainement. Ah oui, c'est sûr. On en avait parlé Ça d'ailleurs. doit être certainement la cause, hein. Ils font des petites économies quelque part. Mais du coup, ça change quand même beaucoup de choses, si c'est ça, hein, parce que c'est un peu chiant à utiliser au final. Moi, j'aime quand même assez quand la peinture elle couvre bien. Ouais, Surtout les couleurs claires. mais ça c'est clair. Donc ça arrive, ça arrive.
pour ça qu'ils en mettent beaucoup dans le pot, comme ça leur permet de mettre moins de pigments et plus de médium. Bah oui, c'est ça en fait. C'est tout. Hein. Si c'est moins cher que le pigment, hop. Donc tu te retrouves quand tu ouvres le pot, même à mélanger, tu fais. Oh, ouais, c'est la galère, c'est chiant. Hein. Surtout par exemple, le camo à mandat foncé, t'aimes bien que c'est bien opaque, que ça soit bien. Il y a le bleu marine foncé aussi qui fait ça au début. Ah ouais? Ouais. Les nouveaux pots, ils sont chiants. Et après. Je dois regarder trop le monde ce que je fais. Donc là, même là, je vois, j'ai des zones où, franchement, pour couvrir, c'est chiant. Hein. Bon, le blanc, je sais qu'il viendra améliorer tout ça. Le blanc PA, il est bien pour faire des jolis dégradés, mais pour accentuer, je prends plutôt de la double nuit. Ouais, je reste quand même plutôt fan du PA parce que j'aime bien la finesse qu'il a. Oui, c'est ça, ça peut faire des nuages, ce qui n'est pas le cas de la FWD qui est trop puissante. Ok. Rémi dit qu'il a remplacé en fait son camo brun foncé par le Grim Dark de chez AK. Grim Dark ? Ouais. Ah, Grim Dark, c'est pour ceux qui savent pas peindre ça. Ça s'appelle le Grim Dark. Grim Dark, je savais pas. Ah, le problème, c'est que le camo allemand brun foncé, on l'utilise beaucoup en glacis aussi. Hein. En glacis ? Ouais. Ah non, pas moi. Non, en shade plutôt. Moi, j'utilise beaucoup en shade. Hein. Si non, pas moi non plus, non. Ah ouais, hein, beaucoup, moi, beaucoup. Hein. Vraiment. Je m'en sers principalement pour faire des... Lining, ouais. Ah, bah, moi, et puis, ça peut me faire des bases de cuir aussi, parfois. Ah, tu vois, ça, là, en shade, j'utilise ça. Hein. Ça casse l'effet un peu brillant du truc et ça donne un effet un peu plus... Noir rouge en fait, un peu plus jaune dans ton. Dans ton huc. Voilà, j'insiste encore un peu. On commence à voir, ça devient un petit peu plus propre. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué à montrer à l'écran, putain. Oui, c'est chiant, hein. On voit quand même qu'il y a des nuances. Hein. Oui, mais c'est. Ah, il manque le blanc encore là. Ouais, il manque le blanc, ouais. Mais le blanc, justement, ça va faire tout péter. De toute façon, je pense que ça, après, quand je reviendrai dessus chez moi, je retravaillerai complètement. Parce que là, j'ai pas ma lampe habituelle non plus. Est-ce qu'on a des bottes ? Pas de bottes. C'est bien ça, pas de bottes. Oh oh, merde. Puis comme ça, une fois que j'aurai fait le blanc, on fera une petite pause. Ouais, on fera une petite pause. Et après, j'attaquerai à... C'est bon, qu'on a combien là ? 5 heures. J'attaquerai la lame. Ou un tissu, tiens. C'est sympa un tissu en fait. Un tissu, ça dépend. Je vais faire un morceau de tissu parce que c'est aussi assez typique de des cinémoules là, le rendu. Pareil, t'as pas essayé, faudrait que tu essaies le terre foncé, je te l'avais déjà proposé. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais. Il est vraiment trop cool. C'est même une base de peau qui est vraiment bien. En fait, je l'ai trouvé en regardant les illustrations d'un peu tout le monde là. Et en fait, je trouve qu'il tire vachement vers cette couleur. Oh, il y a la pub qui vient de se lancer, comme une de la merde. Quoi, pendant que je parle là ? Là, ouais, et elle vient de se lancer un instant. En fait, ça là, quand tu vois ça, là, c'est qu'elle vient de se lancer. Ah oui? Ouais. Donc là, les gens, ils voient rien, là. Bah là, non, ils voient rien. Ils voient, viens. Bah, il n'y a que les abonnés, en fait. Quoi. Tu peins, et quoi. Donc là, tu peux dire que de la merde à ceux qui sont pas abonnés. Alors, pour les abonnés... Eh, d'ailleurs, les amis, pour les abonnés, parce qu'il y a peut-être vous... Ah, il n'y a pas tout le monde, hein. Je viens d'avoir la... Grâce à vous, hein, je crois, parce que je sais plus combien je fais de trucs. Je peux faire des streams que pour abonnés. Donc on pourra vous faire des cours en direct que pour les abonnés. Faut que je regarde la validation, mais ça devrait être bon normalement. Comme ça, pour les petits amis qui sont sur Patreon, je peux vous faire un cours en live. Il y a Rémi qui dit que le chat est entièrement seubé. Là, non. Non. Ça veut dire quoi, seubé ? Sub. Oui, mais... Non, sub. Non, sub, c'est payant. Non, il est follow, par contre. Il est 100% follow, mais il n'est pas 100% sub.
En fait, ça évite les bots en fait de faire en abonné. C'est-à-dire que le gars, faut qu'il appuie sur l'abonnement pour pouvoir utiliser le chat en fait. D'accord. Suivre, follow. Et quoi, il y a encore la pub là ou quoi? Comment ça marche? Je sais pas moi. Bah, dès que ça va revenir là, la Quoi? pub va... Revenir quoi? En fait, là, ça va devenir rose, je crois. Donc, rose ou vert. Ah. Bah, c'est marqué 3 minutes là, non? Non, 1 minute. Une. Et ça revient là. Donc en fait, c'est pour éviter que les gars ils spamment le bouton pub, c'est toutes les 2 secondes. Ah oui, d'accord. Et moi, c'est automatique en fait. Je le fais quand il n'y a rien à faire. Mais... Je cherche quoi, la super glyph? Putain, mais ça fait. Putain, j'en ai fait quoi? Hein? Ça va revenir, tu peux y aller. De toute façon, c'est en rediffusion, ils pourront le voir. Mmh. Par ta faute ennemie, tu es un grand prince. Bon, là, du coup, encore, je vais pouvoir passer au blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça fait 3e pot de super glue que je joue et que je perds. Bon, j'en ai un qui est là, l'autre il est là, tu vois, et je vais retrouver le 3e tout à l'heure. Ah oui, et là, ça me perturbe parce que c'est pas en même temps. Ah oui, parce qu'il est là ton. Ah, comme ça au moins je sais, tu vois. Ah, c'est perturbant, hein. Et des fois, moi, quand je. Non, quand, c'est pas facile, hein, faut s'y quand je faisais acclimater. Du poker en live, j'étais décalé de 10 minutes. Donc 10 minutes, ça fait un peu beaucoup. Donc là, je vais pouvoir passer au blanc maintenant. Ce sera pas mal. Hop là. Allez. Tu sais qu'avec ton tuto, je vais en faire des signaux là. C'est vrai? Ah bah oui. J'ai jamais fait, j'ai fait que les petits péons là. Donc là maintenant j'y vais au blanc pur pour finaliser ça. Donc là la particularité c'est que contrairement à ce que je fais d'habitude, c'est que je vais pas en fait revenir avec des glacis dessus. Là je vais. Une fois que j'aurai fini ça avec le blanc, j'irai pas plus loin. Je ferai pas plus. Parce que ça, c'est le fait que ce soit une peinture très claire, très pâle. Et que j'ai pas besoin déjà, avec tout ce qui a été fait avant, de revenir avec du glacis. Tout simplement. Ça servirait pas à grand-chose par rapport au rendu, en tout cas, que je veux. Maintenant, on va venir faire péter le blanc. Hello, pourquoi tu fais pas toute l'armure en une fois? Ben pour pouvoir traiter d'autres choses aujourd'hui. Sinon, en temps normal, je ferai tout, hein. Mais là, c'est juste que il est déjà 15h30, que j'aimerais bien montrer un peu C'est d'autres qui choses. c'est? Ah, c'est Kellen. Kellen que tu connais. Sinon, on va passer toute la journée à faire des armures, quoi. C'est un peu dommage. Parce qu'en fait, il n'a qu'une journée et Martin, il met plusieurs jours pour faire une figurine. Ah oui, moi je suis lent. Vous n'êtes pas sur le live de Army, là. Army, il fait la figurine dans la journée. Moi, un truc comme ça, il me faut 2-3 jours pour le faire. Et on doit. Bah, comme un figostage, hein, les potes, hein, on bosse sur plusieurs matières à la fois. Et voilà, ah, les pubs. Regarde, hop. T'as perdu 4 personnes, rien que les pubs quand elles se sont lancées. Ouais, ça fait chier les gens en fait. Bah, c'est normal. Et ouais, Kellen. Donc Kellen qui est donc un. Tu reconnais son pseudo, pas non? C'est un Mais de. ça me dit quelque chose, hein. C'est un peintre qui peint beaucoup de rackham. Ça me dit vraiment quelque chose. Donne-nous ton prénom, Mais Kellen. si t'es sur le forum conf, toi, Kellen. Ah ouais, bien sûr. Bah là, il y avait beaucoup de On confs s'est déjà vu d'ailleurs. Je crois que Kellen, on s'est déjà vu Kellen. T'étais pas venu d'ailleurs à un de mes stages à Lyon. Salut JF. JF? Ah, c'est JF. C'est quoi son Quand prénom? j'étais venu à Lyon. Si, peut-être, je crois. Mais Kellen, moi, je l'ai souvent. On l'a souvent sur Facebook, en fait. On l'a souvent sur Facebook. Bon voilà, là le blanc il vient vraiment tout corriger, c'est cool, il couvre mieux, c'est tant mieux. D'ailleurs, faut que je recontacte mon tête, là, d'ailleurs. Faut que j'y pense. Donc ça c'est bien. Kellen, membre assidu de la confédé, oui, ça me dit quelque chose. Après je vais très peu sur les forums moi maintenant en fait. On n'a pas le temps. Non mais pendant un moment j'allais sur les forums mais je prends plus le temps. Ah voilà, là il y a tout qui est devient Kellen qui vient de temps en temps quand on fait du rackham. clair et limpide. Donc là, bah, je fais pareil avec le blanc qu'avec la couleur précédente. Juste, j'insiste vraiment bien
sur toutes les enluminures de l'armure là. Donc j'y vais avec la tranche du pinceau. Le pinceau il suit tout seul. Donc ça c'est plutôt cool, ça se fait bien. Ça me permet encore de gommer les petits trucs qui me plaisent pas en dessous. Gaël gommé. Ok Steph. Community manager de la Confédé. Ah, ça rigole pas. Oh là là, lui, là. Statut, s'il te plaît. Là, mon gars. Si après ça, mon gars, il n'y a pas de la neige qui tombe. Donc là, j'essaie d'être bien précis dans le sens où je fais en sorte de bien conduire la peinture où je veux qu'elle aille. Ah ouais, mais quand tu t'approches de l'écran, c'est carrément mieux en fait. Eux, ils vont le voir mieux. Ah oui, ils vont le voir beaucoup mieux que nous en fait. C'est vrai? Ouais. Parce que moi, j'ai ma qualité d'écran, c'est du caca. Bah, je fais du caca, c'est grâce à vous, hein, les viewers, que j'ai pu m'acheter 3 écrans. Parce que moi, j'en avais 0 à l'époque. Avec Discord, Facebook, Forum, ça fait beaucoup de réseaux. Et puis, il y a le Insta de Stéphane aussi, qu'on suit bien. Ah bah, tu vois, Kélène. C'est cool ça. Tu verras toutes les peintures, Kélène, tu pourras les trouver. J'aurais mis le masterclass de Martin. Avec bah, les résultats, tout ça, tout ça. T'auras tout. Dont le lien aussi qui ira pour la vidéo sur le Studio 9 Art que je mettrai. Donc celui-là il sera entièrement gratuit hein, les amis, hein, je vous ferai pas payer. Je veux dire, même sur Patreon il sera gratos. Hein. Ouais, 500 roubles direct. Des roubles? Bah, en ce moment je suis pas sûr que des roubles ça soit la bonne solution. Je suis un peintre tabletop, j'ai trop de figues pour pousser plus la technique malheureusement. Ah oui bah c'est normal. Après, Les piles de la honte. Après, c'est normal, hein. Faut faire ce qui correspond à ce dont tu as besoin, hein. C'est tout. Et ce qu'on aime surtout, hein. Ça sert à enquiller du plastique. Faut pas se. Faut pas se complexer avec ce genre de trucs. Ah oui, carrément même. Au moins, tu peins tes trucs, c'est déjà super. C'est tout ce qui compte en fait. Tu te fais plaisir. Ah putain. Comme ça, tu joues peint. C'est quand même mieux. Ah, et Rémi, c'est pas un fou lui. Les Rémi. Ouais, les Rémi, excusez-moi. Parce que si je dis le Rémi, je vais me faire tout de suite alpaguer, toi. Je vais recevoir 3 mails de Rémi Tremblay différentes. Lui, je sais pas comment il fait, hein, franchement. Il est fort. C'est... Il dit qu'il veut tout jeter à la poubelle, mais il est fort. Ouais, c'est un menteur. Quoique c'est un menteur, mais il offre des fois où il revend des caisses peintes, misère, j'ai l'impression. J'ai vu ça passer. Et je dis comment ça? Faut faire de la place. Putain, faut que je limite l'arme. Hein. Ah, alors là par exemple, j'ai mon blanc qui est un peu trop allé dans le creux. Donc avant qu'il sèche, le pinceau, j'ai vite fait nettoyer et hop, j'ai pu gommer. Ça, c'est merci la Prince Auguste. Parce que ça marche pas avec toutes les peintures, malheureusement. Mais une peinture, une fois qu'elle est posée, elle marque et il faut recommencer. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette gamme. Donc là, c'est que de la précision. Le blanc, j'insiste suffisamment à chaque fois pour être sûr que ça marque vraiment bien. Et c'est fou comme ça change tout. Ça donne tout de suite un truc vachement plus propre, vachement plus lumineux. Mais le blanc Prince Auguste est assez léger, donc faut pas hésiter à insister hein, sur les passages pour être sûr que ça couvre bien quoi. Rémi, je suis encore là, c'est gênant les gars. Non mais t'inquiète, on va bien t'embêter toi. C'est pas comme si tu squattais le live. Hein. En plus il est en vacances mon gars, même à 10h du mat s'il te plaît, j'ai la tête dans le huc. Je vais sur une page d'un autre et il est déjà en train de raconter de la merde. Tu vois. Le gars, il en peut plus quand il est en vacances, tu sais. Je sais pas s'il m'entend parce que je suis un peu loin. Mais au moins, on a un collègue de rigolade au moins sur moi.
Ah, donc là, la seule difficulté avec le blanc, c'est d'être sûr de bien couvrir les trucs. Parce que le prince Auguste est très léger. Mais grâce à ça, on peut quand même bien le contrôler. C'est tout l'avantage. Ressort bien les arêtes partout, les petits volumes d'armure, les petits trucs un peu chiants, toujours très peu de peinture sur le pinceau. J'effleure en fait les Du coup, on est 14. tous les petites gravures de l'armure. J'appuie Et pas fort et je laisse juste le pinceau courir. Là, j'ai même débordé un peu. week-end prochain, je suis au salon. Bam! Direct. Ah, c'est bon ça. Ah ouais, c'est ça. J'amènerai des trucs, pas tout, mais. Voilà, ça commence à être un peu plus propre. Je vais insister encore un petit peu avec le J'aurais dû blanc. mettre no speed painting. Ah non, c'est pas du speed painting. Ultra slow painting. Moi, je suis pas un speed painter. Un peu trop méthodique en fait. Bon, C'est mon je problème. dirais pas ça, moi. Puis bon, je commence à être un peu plus vieux, alors c'est pas prêt, c'est difficile de changer. Soit qu'on est habitué à une façon de travailler. Mais en plus, on ne demande pas de changer, en plus, donc en même temps, tu risques pas de changer. Bon, bah, je vais pas changer. Ben non. What the fuck? La lame, faut qu'elle soit plus fine. C'est pas mal là. Ça commence à prendre forme. Parce que ça pète. Oh, j'ai peur de le péter. Ouf. N'empêche, il est cruel, Stéphane. Pourquoi? J'en chie toute la semaine avec des trucs compliqués à peindre. C'est pas moi, c'est les viewers. Et il me force à venir peindre. Alors que je pourrais être T'inquiète, après tu vas acheter des tranquille. dés. Quoi? Tu vas acheter des dés tout à l'heure. Oui, on va faire On de la jouera à bagarre. Blackstone Fortress en plus. On va faire de la bagarre. Vas-y, wesh, cousin! Wesh, cousin, tu viens me battre ou quoi? Wesh, cousin! Bon, là c'est pas mal. Je pense que je suis pas loin de finir le blanc. Le blanc nacré. Oui, à chaque fois j'insiste, j'insiste, je refais des passages avec la peinture beaucoup moins diluée, quasiment pas, même. Et juste je viens la tirer sur les arêtes avec la tranche du pinceau en effleurant légèrement le truc. Mais un seul passage ça suffit pas. Pour être sûr que ça couvre bien, pour être sûr d'avoir un résultat plus opaque, il faut insister. C'est pour ça que c'est long. Parce que il faut que tout soit bien uniforme, tout soit nickel, tout soit propre. Et lumineux. Parce qu'en fait, avec la lumière, avec les couleurs comme ça, enfin le blanc, c'est pas une couleur, mais. Avec ça, ben, il faut toujours passer plus de temps. La lumière sur une figurine, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer la lisibilité sur la fin. Parce que vu que la lumière naturelle rebondit sur le blanc, ça nous offre un éclat magnifique sur la figurine. Je regrette pas mon choix de pas collectionner les Sinewall, ouais. C'est ça. Bah après, t'es pas obligé de les peindre de la même couleur, tu vois.
Tu peux faire un peu comme tu veux aussi, hein. Voilà, là je devrais être pas mal. Hop. Il y a des petits trucs qui me déplaisent un peu, mais bon, je corrigerai ça, je pense, plus tard. Quand je serai dans. Quand je serai chez moi. Ah, c'est rigolo d'en refaire, en tout cas. C'est comme si c'était hier, tiens. Avec du bidon, moi. De quoi sur le Simo? Ouais. Ah, Simo, il a pris du bidon. C'est celui qui les pend qu'on a pris. Ah bah, j'ai pas dit ça, hein. Ouais. J'ai pas dit le contraire. Hein. Bon, ça va me faire chier. Voilà. Voilà. Ça devrait être pas mal. Non? Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère qu'on voit à peu près qu'il y a de la nuance. Et qu'on voit légèrement les teintes en fait dedans. On voit légèrement qu'il y a un peu de vert, un peu de. Alors évidemment, c'est pas des zones les plus larges hein, sur les Cineworld. C'est vrai que c'est les boucliers sur lesquels on voit encore plus ce genre de truc. Parce que tout est tout petit chez eux sinon. Mais là, on voit légèrement. Donc voilà, ça. C'est fait, c'est le blanc nacré des Cineworld, typique. J'en reviendrai même sur la peau, je pense, plus tard chez moi. Il y a des trucs qui me plaisent pas. De toute façon, c'est ça de pas bosser dans des conditions habituelles. Ouais, c'est ça. Si t'es en prison. Et voilà. Après, je vais faire du tissu. On peut faire un petit break. Ah oui, carrément. Histoire 2, et puis je reviens après. Si ça vous va. Et puis si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas aussi. Moi, je suis en train de custom à qui N'oubliez pas petit. que je suis aussi là pour ça, c'est pas mal dans ces cas-là. Un petit jus d'orange ou quoi? Si ça peut vous servir, ou vous être utile. Jus d'orange. Un jus d'orange frais? Ouais, pourquoi pas. Bon, bah, tu peux aller te servir. Quel sale con! Attends, je fais gaffe parce que j'ai peur de. Mets pas ta figurine trop près de. Ah, elle est même plus dans la cam? Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est là. Merde. Hop. Ok. C'est bon. Bon, je reviens bientôt. Hein. De toute façon, il t'entend jusque dans la cuisine. Hein, moi, je suis en train de re-sculpter le truc. C'est dans le frigo? C'est dans le fridge. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est pas fini. Non, mais déjà la première partie, bah la deuxième partie plutôt. On va essayer de refaire un peu de trucs. Ouais, donc prochainement, Martin, je vais me concentrer sur du Paul Bonheur, Adrian Smith, Paolo Parente, des trucs comme ça. Quoi. C'est bien. Des très belles figurines, qui ont des grosses, qui ont des très jolies illustrations. Et je vais m'en inspirer. Pourquoi? Qu'ont des très jolies illustrations, je suis plus basé sur l'illustration que vraiment la peinture des studios, tu vois. Bon, le Rackham, il y a des jolies peintures studio, mais. Alors, je ne peux pas faire de la mauvaise pub pour Journée Man, là. Mais déjà, sur la figurine, il y a trois erreurs de sculpture, déjà, ça commence bien. C'est chiant, ça. Ça, il est à l'envers, le petit pan qui est au-dessus de la tête. Ah. Ici, le truc qui remonte, là. Ben, ils l'ont mis dans l'autre sens alors qu'il remonte. Le bras, il est pas bien positionné. Ouch. Depuis tout à l'heure, je fais du tige, je gratte des tiges, je gratte. Parce que moi, quand je vois un rendu, je fais un rendu. Quoi. Et là, je suis tombé sur des kits qui a des bulles dedans. Donc, tu la chauffes pas. La bulle, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, elle doit dépressuriser ou je sais pas toi. Et bah, ça a fait exploser le. Donc là, je suis un peu dégoûté.
Donc j'ai coupé, repositionné la main, repositionné le coude, repositionné l'épaule. C'est un peu beaucoup quoi. Plus qui sait qui a sculpté ça. Ah, l'épaule, le bras, il est trop grand. Attends, sans déconner, il n'y a pas un bras qui est plus grand que l'autre, non? Ah, si, c'est pour ça. Ah, ok, c'est pour ça, j'ai bien fait de découper. Un bras gauche, pas réussi à positionner son... En fait, il met comme ça et comme ça. Et lui, il l'a positionné, tu sais, comme tous les gars qui font juste un... qu'ils le mettent droit, donc l'épée, au mieux qu'elle soit inclinée en mettant la lame sur le haut du nez de la statuette, elle est sur la... elle est dans le vide en fait, alors que c'est pas le cas. J'arrive. On voit pas le chat d'ici, je sais pas ce que vous me dites, mais je vois pas le chat. Non, j'arrive, j'arrive. C'est quand même une bonne résine. Je pense que cette figurine peinte. Regarde un truc. Fini. Quand j'aurai fini cette figurine peinte et le décor qui va avec, là je crois que c'est juillet, je sais plus juillet ou août. Juillet, elle s'en va et c'est Journeyman qui la travaille dans le salon. Ouais. La travaille dans le salon et j'ai déjà trouvé un acheteur. Ah c'est cool. Je sais qui en fait. Je regarde un truc avant si ça vous dérange pas. Vas-y, vas-y. Hein. J'arrive. Ouais, on peut dire une chose. Parce que là, c'est question de vie ou de mort. comment ça s'appelle? Vox. Là, il faut que je sache s'il y a des kits. Ah, t'as même pas regardé la fin de ton enchère? Non, j'ai regardé, mais j'ai pas fait. J'ai vu que, et puis effectivement, c'est monté trop haut pour ce que c'était. Ah, ok, donc il y a eu des grosses enchères d'amour. Ouais, je me suis dit, ça valait plus le coup. Pour un vieux truc qui est pas forcément bien sculpté. Tu vois? Yep! Vendu en mode. Comment? Bon, j'ai utilisé ma petite, il me faut l'autre maintenant. Ça va être celle-là, je crois. Non. Il a spammé l'émoticône Rakam. Le quoi? Il a spammé l'émoticône Rakam. Trop fort. C'est moi qui l'a fait celui-là. Excellent. Bon allez. On va s'y remettre. Là. Bon, c'est reparti. Alors là, pour le coup, pareil, je vais faire un petit bout de tissu là, celui qui est sur le bras, sous le bras. Clairement, ça va être de l'impro au niveau couleur. Hein. Je vais pas faire la même chose, mais je vais rester dans l'esprit. Dites-vous que même si c'est pas exactement les mêmes peintures ou quoi, c'est pas très grave. Hein. Encore une fois, ce qui compte là, c'est se dire que. C'est l'idée qu'il y a derrière, la façon dont c'était fait. Plus que autre chose. Donc là, en fait, je vais faire un petit bout de tissu, justement, un peu dans l'esprit pastel, toujours. Donc, je vais utiliser des couleurs. Cette fois-ci, voilà, ça, ce sera ma base. Le cher elfique de la gamme Games de chez Prince Auguste. Ou Valero, hein, je pense que c'est pareil. Mmh. Dedans, en fait, je vais simplement faire des petits glacis légers. Et je vais prendre ces petites couleurs-là, la pastel, là, c'est joli. Ça va rajouter un peu de couleur sans être trop fort non plus. Puis après, je vais simplement reprendre légèrement les éclaircies et puis finir avec un ivoire et ce sera très bien. Parce que l'idée, c'est que pour des tissus comme ça, la difficulté, c'est pas de lui donner un aspect lourd. Donc ce que j'entends par lourd, c'est avoir des contrastes beaucoup trop forts, beaucoup trop foncés.
en fait, qui vont alourdir, on va dire, graphiquement la matière. Et là, on va essayer de conserver cet aspect un peu léger. Vous voyez, un peu comme dans les films de sabre chinois, là, où il y a toujours des gros morceaux de tissu qui volent au vent. Des trucs en soie, tout transparent. Voilà, c'est un peu l'idée derrière. Donc, pour essayer de retranscrire ça sur un truc solide, évidemment, c'est pas possible. Mais c'est juste qu'on peut jouer simplement avec une légèreté au niveau des teintes qui va contribuer simplement à éviter d'avoir un truc qui ressemble à un gros rideau lourd du Moyen-Âge, quoi. Donc là, je prends cette couleur, le Sheer Elf, là, qui est pas mal parce que c'est une sorte d'ocre un peu très clair. Un peu ivoire au final, hein, plus. Mais surtout que du coup, ça me fait une couleur un petit peu chaude. Ce qui va être pas mal étant donné que l'armure en elle-même reste assez froide. Le vert, lui, a chauffé un peu dedans, mais le violet, il est venu complètement tout refroidir, et le blanc, pareil. Puis c'est une couleur qui est assez chouette, assez douce, j'aime beaucoup. J'utilise souvent ce pot, mine de rien. Quelle couleur? Le Sheer Elf. Ah, il est bien. Je l'aime bien pour éclaircir des cuirs, des Ouais, non, peaux. le cher elf et même le cher bronzé est bien Il est pour vraiment cool. certains trucs, mais le cher, il est génial aussi, non? Pour des bronzes ou des cuivres, c'est vachement Ouais, ça stylé. aussi, c'est bien pour le NMM, ouais. Je sais pas si on le voit trop à l'écran aussi. Bah, tu le vois, tu l'as en face de toi. Un petit peu, ouais. Ça va venir se démarquer après. Je pense une fois que je vais attaquer les ombres. Donc en gros, c'est un peu ça l'esprit peinture Cineworld, c'est trouver en fait des teintes avec des couleurs pastel et contrebalancer en fait par deux trois éléments qui vont eux ne pas être pastel pour que justement ce soit pas que toute la figurine qui soit comme ça. Par peur de perdre un peu en lisibilité, quoi. Et surtout de faire des choses foncées à côté de clair, ça permet de les rendre beaucoup plus lisibles et séparées. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, t'as dit qu'il y a une pause, il y en a plein qui sont partis en pause. Bon, c'est pas grave, j'y retourne, moi. Je suis chaud, là. C'était chaud. Là, il fait un peu plus frais que tout à l'heure, je peux se Il y a sentir. un monsieur Logoche qui dit coucou. Donc, Ah, salut, salut Logosh! salut. Donc là, bim, on est toujours sur la base, rien de. Je ponce, je ponce, je Rien de ponce. fou. Bon, je vais arriver à la lame de l'illustration. Ouais, non, pas longtemps. Mais je vais juste attendre un peu aussi que ça sèche bien pour pas créer des trucs dégueulasses. Tu as le gauche qui demande comment ça va ici. Bon, ça va plutôt bien. Ouais, tranquille. Vous avez vu, j'ai pris de la barbe et tout. Des cheveux longs. Et je sais pas. C'est ça. Vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon stream. Sauf que je suis dans le fond. Et je suis en train de poncer. En plus, on te voit sur Ouais, je sais. l'image où je suis là. Armie a pris son café, ses petites pilules de jeu. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fini, là. C'est compliqué. Hein. Tu sais que des fois, ils me font prendre le café à 23h, c'est ça le môme, hein. Parce qu'ils savent que je suis debout jusqu'à 2h après l'arrêt. Trop fort. Ouais, parce que comme eux, tu sais, le samedi. Eux, ils se disent, bah c'est bon, demain c'est dimanche, je peux rester jusqu'à 2h du mat, quoi. Ah bah c'est l'enfoiré, ils font faire Steph un café, je dis, ouais, ok. Et en fait, ils me droguent. Ils te maintiennent en vie en fait. Non, ils me droguent, c'est Pour pas que tu possible. sois toujours éveillé. Putain, mais moi, même 2h du mat, j'y arriverai pas, je crois. Je tomberai en fait. Bah oui, mais t'as vu à quelle heure tu te lèves, je me lève à midi, moi. Oui, c'est pour ça. Tu sais que la plupart des viewers, c'est des gens de la nuit, Oui, bah, je suis pas étonné. hein. Avec toi. Oui, j'ai pas beaucoup de. D'ailleurs, je les ai un peu perdus parce que je travaille, je suis plus. Parce que je faisais des lives jusqu'à 3-4 heures du matin, non? Ah,
Bon voilà, là la couche de base elle est quasiment prête parce que ce qui est pas mal c'est que la sous-couche étant blanche, la couleur étant elle-même très claire, bah, ça couvre bien. Donc là, pas de souci. Je vais juste m'assurer que ce soit bien opaque partout. Là, je vais diviser en deux quoi. Toute la sculpture qui est en fait. Le mec il dit on drogue mais en vrai il consomme tout seul comme un grand. C'est qui dit ça, le gauche? Ouais. Je m'étonne pas. C'est la personne qui m'a dit d'aller faire des streams. C'est vrai? Oui, c'est un élève. Trop fort. Un élève que j'ai rencontré à. Que j'ai rencontré. Bon voilà. À. Comment ça s'appelle? La cellule grise. Je vais attendre que ça sèche. Quand même. Ah, elle est quand même plus cool la lame comme ça, putain. Parce que sinon ça va pas être terrible. Ça va me créer de la merde. Et après on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vais même plutôt y aller avec ça, ce sera plus joli, tiens. Hop. Ou ça. Non, ça c'est pas mal. Ou quoique. Parce qu'en fait j'ai pris plusieurs pots hein, pour un peu composer sur place certains trucs. J'étais pas exactement sûr. J'ai pas pris beaucoup de temps pour me préparer non plus, parce que j'avais trop de trucs à faire. J'y suis allé en mode Walou. Non, c'est pas encore sec. Ah. On a un certain creux là. Bon, j'hésite. Je vais passer avec ça ou ça, on verra. Ça fait des jolies teintes. On verra bien. Ah ouais, carrément. Okay. Donc je vais juste faire cette petite partie hein, de tissu hein, parce que en plus j'ai pas traité le reste donc ce serait contraignant pour la suite. Bon, ça doit être pas mal, on va voir. Donc là, je vais commencer à faire. Je vais jouer en fait avec deux couleurs là-dessus. Pastel. Je vais déjà faire des petits glacis dans les ombres avec ça, là, le Luganate Orange de chez Citadel, qui est super beau. Qui a vraiment une belle teinte. Et qui ira bien pour rajouter un petit peu de ton chaud dans la figurine. Et après, je vais venir casser ça un petit peu plus. Dans certaines ombres en jouant. Ah tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais jouer avec deux autres couleurs dedans que je vais rajouter ici et là. Donc il y a le Ghost Blaster Green, pareil de chez Citadel qui est chouette. Un beau vert pâle, vert pastel. Et je vais prendre le Azur de Prince Auguste, celui qui est très joli. Ouais, il est très beau celui-là. Et je vais jouer un petit peu avec ça. Donc il y aura un peu tout ça dessus, de mélanger, de qui va se mixer dans le sens où je vais juste les caser un petit peu par endroit. Mais déjà, je vais faire un petit peu les ombres avec le Luganate. Qui est un peu vieux là, mais ça devrait aller. Donc je vais bien le diluer. Pas trop en fait là ce qui se passe sur la palette, mais sinon tu mets ta dilution sur ton pouce et tu passes à l'écran sur ta. Donc je l'ai bien dilué sur l'ombre de ton pouce. Ouais, elle est bien diluée. Tiens, on va faire comme dit Steph là, hop, tu montes sur l'ombre de ton pouce. Voilà. Comme ça, il voit
Voilà, c'est exactement ça, comme ça ils voient la différence. On voit que c'est très léger. Donc là, je vais venir le pousser en fait dans les zones d'ombre. Donc qui sont du coup représentées en fait dans un premier temps au niveau des creux dans le tissu. Et puis après, ben, il y a certains volumes en fait qui se dessinent un petit peu aussi plus dans les ombres. Du fait que le tissu par endroit, ben, il est un peu tordu et tout ça. Donc il faut suivre tous ces volumes. C'est pas toujours évident aussi, hein, la compréhension des volumes en 3D, mine de rien. Parce qu'il faut réussir en fait à visualiser dans sa tête les zones qu'on va justement assombrir et éclaircir dès le début. Donc même s'il y a certains trucs qui sont plus faciles à trouver que d'autres, il y a effectivement d'autres qui peuvent bien prendre la tête. J'ai un petit peu débordé. Hop. Donc je vais venir en refoutre un petit peu là-dedans. Voilà. Donc il faut que ça reste très 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 léger. C'est vraiment garder cet esprit pastel. C'est ça qui va déterminer justement toute la personnalité, le caractère de la figurine. C'est ce qu'on peut donner via les couleurs, via les aspects, enfin l'aspect qu'on veut faire ressortir. T'as la gauche qui dit mort de rire, hein. Tu sais que ma femme est passée un peu vite, elle m'a dit tiens, Army est passé chez l'ennemi et utilise de la citadelle, après avoir regardé un peu plus l'image. Sans voir que c'était toi justement. Bah tu vois, il y a des gens que j'ai tellement. Après, il y a des bonnes choses dans Citadelle. Hein. Oui, oui, j'aurais dit hein, qu'il y avait des bonnes choses. Hein. Moi, je l'utilise beaucoup en complément, en tout cas. Et moi, quelques-uns en base, mais comme j'ai encore beaucoup, beaucoup de P3. Ben, la P3, je la préfère. Ça, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'est une couleur que tu as nulle part ailleurs. Oui, c'est ça. C'est des couleurs. Moi aussi, mais j'utilise comme j'utilise pas, j'achète pas. Cet orange, il est vraiment chouette. Mais c'est vrai que je préfère la P3 aussi, perso. Nettement. Un super pigment. J'en ai gardé un taquet de stock hein, de la boutique. Ah bah t'as... Bah, j'ai quasiment tout gardé, moi. C'est bien. Moi, j'ai la gamme complète. Mais après, il y a des pots qui commencent à morfler, là. Il y en a quelques-uns que j'ai en plusieurs quantités, mais... Donc, voilà, là, je crée petit à petit les ombres. Ça va me donner... un ton un peu orangé. D'ailleurs, ça ressemble pas mal au final à l'orange qui avait été décidé sur le petit pagne des Celsim Sinwall. C'était parti un peu comme ça, sur un ton un peu ocre jaune clair, et puis on faisait des petites ombres légères avec des peintures orangées. Il y en avait une chez Prince Auguste, un peu comme ça, que j'aimais bien, qui était, mais je sais plus c'est quoi, une peinture un peu orangée, comme ça, un peu pastel. Bourra. Hein? Aurore? Non, je sais plus le nom. Ah oui, oui, les contrastes, c'est intéressant. Hein. Moi, j'aime bien, perso. Ah, oui, je les utilise beaucoup. Nous qui aimons bien les glacis... non, les c'est clair, c'est un espèce cool, de mélange entre des encres et des lavis. C'est vraiment cool. Cam orange, bright west, c'est peut-être ça, Amy. Ah, ça, c'est Rémi, ça. C'est peut-être ça, mais pour être honnête, je me souviens plus du nom. Mais il y a de fortes chances que ce soit ça, parce que je me souviens qu'il y avait un truc du genre que j'utilisais. Eh, sans déconner, lui doit avoir je sais combien de pots de peinture, lui. Ça doit être ouf, hein, Rémi. Hein. Bah quoi, t'en as pas mal aussi, toi. Ouais, moi je commence à en avoir beaucoup aussi à la maison. Puis j'aime bien acheter les vieilles gammes de peinture, moi. Ça, c'est mon kiff. Ah bah, on a une sacrée collection de games, non? Ouais, des vieux games, putain, j'en ai un paquet. Ouais, moi aussi, ils sont dans une boîte, je sais pas trop aussi. Puis là, récemment, j'ai topé des vieux pots de chez Target Games. La peinture Warzone. Et ça, je suis bien content. Et tu sais qu'ils sont nickel. Ils se conservent super bien aussi, ceux-là. Ils sont comme les vieux citadelles.
Après, je sais pas ce que ça vaut, ça doit peut-être pas très bien couvrir, mais c'est pas grave. Rémi dit, j'ai tout scale color, tout P3, tout PA et tout contraste. Tout PA? Putain, ça en fait du PA, putain, ouais. Ça en fait du PA, parce qu'il y en a beaucoup PA, quand même. Ah non, moi, j'ai pas tout PA. Hein. Ah non, non, moi, j'ai une gamme. Bright orange, ok, d'accord, ça doit être ça. J'ai complètement, moi, le minimum vital, parce que je fais beaucoup de mélange, moi, ça m'évite d'acheter des pots. Non, moi, PA, j'ai surtout, en fait, qu'on utilisait Noir Akam, en fait, on avait 12-15 pots qu'on définissait par les... C'est ce que tu m'as donné. On les définissait par les couleurs magiques, en fait. Donc, c'est simple, il y avait le gris ciel, le bleu gris clair, le gris pierre, le... Comment? L'émeraude, le bleu salis foncé, le... C'est la photo que j'ai mis sur le Discord, tu vois. Le... Comment? Le bleu marine foncé, le camalement brun foncé, le... comment il s'appelle le rouge foncé, là? Marron Royal Navy. Marron Royal Navy, merci. Ça là, c'est le camouflage japonais, je crois, jaune cam. Oui, c'est ça, c'est uniforme japonais. Uniforme japonais, merci. Et le magenta, évidemment, était dedans. C'était une couleur fétiche de Vincent, ça. Et le bleu violet en faisait partie. Et ouais, voilà, ça dans les pots, c'est à peu près les pots qu'on avait, l'ivoire. Les gars, vous les avez en visuel, j'ai refait les photos. Dans c'était à peu près ce qu'on utilisait presque tout le temps partout. Bah moi, c'est ce que j'utilise tout le temps partout. Et après, on dérivait, quoi. Donc là, je commence à avoir un truc sympa. Donc j'y vais tout doucement, hein. C'est pareil, je fais des petits passages successifs avec la peinture diluée. Donc bon, là, ce qui est bien, c'est que... Étant donné que c'est une peinture qui est plus saturée en pigments, le travail de glacis, là, il se fait très très vite. Et là, en fait, c'est des passages légers, successifs. Donc, il faut faire attention, hein, faut bien contrôler son geste. Il faut toujours pousser le pigment, du coup, dans les ombres, quand on fait les ombres. Et puis, au fur et à mesure des passages, au fur et à mesure, en fait, le comment ? Le pigment, il va de plus en plus prendre sur la surface. Mais là, il prend bien. Donc, il faut faire gaffe. Ça fait partie un peu de ce que je disais tout à l'heure, hein, s'adapter avec les peintures. Il faut faire attention, elles ne réagissent pas pareil. Hein. Il y a la couleur qui change au séchage aussi. Sur certains gris. Ouais, effectivement, ça arrive ça aussi. Voilà. Bah là, ça fait déjà une jolie teinte. Un peu plus chaude. Qui va venir un peu contrebalancer le reste. C'est marrant parce que la peau là, à la caméra, elle paraît ultra saturée dans les ombres, c'est terrible. C'est pourquoi? Parce que j'ai changé la... C'est le rouge en fait. Parce qu'en fait, c'est pour, mais bon, pour qu'on voie ton blanc. C'est pas grave, parce que de toute façon, là, ça, la couleur, elle fonctionne bien sur le drapé. Donc, en plus de ça, là, j'ai fait à peu près partout avec le orange pour faire les ombres. Et du coup, je vais revenir avec, par endroit, un petit peu de Gloss Blaster Green et par endroit, un petit peu de Azur. Un peu là-dedans. Ça va un petit peu se mélanger à tout. Ça va créer, en fait, un tissu avec des petites nuances plutôt sympas. Et ça va rester léger. Parce que là, la difficulté, c'est juste le dosage, l'équilibrage. S'assurer que ce qui est fait, en fait... deviennent pas une sorte de truc avec trop de couleurs où on comprend plus rien. C'est juste là pour accompagner. C'est des petites touches légères. Donc ce que je vais faire, c'est que le vert étant assez pâle, je vais plutôt le foutre dans la transition de l'orange avec la couleur de base. Et par des petits glacis, ça va venir un peu changer la couleur. Parce que, en fait, si je le mets là trop dans les ombres, ça va pas trop marcher. Parce qu'il est légèrement plus pâle que l'orange. Enfin, il est moins intense, en fait. Donc, je suis pas certain que ça fonctionne. La première fois, quand tu as dû faire une fille, tu as dit putain, faut que je la clean, faut que je la clean, faut que je la clean. Non. Où? Celle-là. Quand tu les as fait les premières, ça devait être cool. Les premiers sinoules? Ouais. Bah quand je les ai fait, surtout c'était la galère parce que je me suis fadé. Oui,
la boîte de troupes en entière d'un coup, quoi. J'ai fait 12 piétons d'une traite. En tous ensemble. Mmh. Alors, donc là, je faisais tout le noir, partout, tout le monde ensemble. Toute l'armure, partout, tout le monde ensemble. Tout le visage. C'était... C'était un peu chaud au départ. Ah, on voit pas beaucoup le vert. Non, mais après, il est très dilué, donc il va ressortir un peu. Faut que j'insiste un peu. Mais ouais, les premiers signaux, c'était chaud. C'était le premier schéma qu'il fallait baser, et puis en plus sur des sur de la troupe qu'il fallait peindre en masse. Et puis derrière, j'avais repeint un autre mec, mais je l'aimais pas trop, la peinture que j'avais faite. Là, c'était un guerrier mage, je crois, avec un bâton. Là. La figue était cool, mais... J'étais pas très très content de celui-là, parce que j'avais vraiment dû le rusher. Ouais, ça forge caractère, hein, tu m'étonnes, Rémi. De quoi ? Comme ça qu'on apprend le boulot, hein. Comme on dit, c'est le métier qui rentre. La pub, elle est pas lancée, toi, il y a ça, il y a là, le truc. Ah. Donc là, ce que je fais là, après, ça va être venu, ça va se recorriger par la suite. Hein. Je vais retravailler. Parce que là, ça va peut-être me faire des tâches. Parce que c'est des peintures plus, plus fortes. Je viens de faire ma cinquième coupe sur le bras gauche du bodyguard, là. Oula, excusez-moi, ça bouge un peu. Ah oui, c'est parce que... T'as reculé ? Ouais, il faut que tu me remettes le truc, toi, que je vois. Bah, tu vois quoi ? Ah oui, ok. Voilà, merci. Donc là, c'est très léger. Ça vient colorer un petit peu la couleur qui est en dessous. Donc la base, hein. Ça vient un petit peu se, par transparence se mélanger aussi avec l'orange. Bon, il y a des petits trucs, c'est pas très propre, mais c'est pas très grave, ce sera corrigé ensuite. Je vais reprendre, parce que de toute façon, hein, c'est ça aussi peindre, hein, c'est faire, refaire des fois pour améliorer. Hein, c'est pas toujours s'arrêter uniquement, j'ai fait une étape, donc je considère que c'est fini. En fait, non. La peinture est fine, on peut toujours la corriger. Même si des fois ça peut être un peu chiant, un peu galère, mais bon. C'est à force de faire les trucs, on commence un peu à piger et on commence un peu à voir ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, donc là, on voit un petit peu les tons verts qui viennent s'associer au ton orange. Donc je vais pas faire plus. Faut que ça reste léger. Et maintenant, je vais prendre le azur de chez Prince Auguste. Couleur que j'adore. Mais vraiment que j'adore. Ouais. Ah, il est bien. Hein. Et petit truc. Tiens, je vais en profiter. Je vais faire un petit aparté juste parce que j'ai tout sous la main. Oh, le fameux. Si vous prenez mélange. Du azur. Avec le snake bite de l'époque. Ah, attention photo. Attention, on peut le faire avec, je pense aujourd'hui, peut-être du... Termat. XV88. Non, le Termat est trop marron. Parce que ça, c'est beaucoup plus jaune. Peut-être que le XV88 de Games, il peut fonctionner. Ou, s'il existe, dans la gamme Prince Auguste Games, qui à cette époque, elle était sortie quand il y avait ça, là. Ils doivent avoir une sorte de snake bite. Ça doit pouvoir marcher. Et en fait, quand vous mélangez ça et ça, ça donne un ton un peu vert, pâle, gris. Et c'était la couleur de base qu'on fabriquait. Donc c'était juste tout petit peu de snake dans de l'azur, parce que en fait, au niveau pigment, c'est très puissant le snake. Et ben, c'était la couleur de base donc d'un métallique qu'on faisait, qu'on avait fini par appeler le métal cadwallon. Simplement parce que c'est Vincent, par hasard, en mélangeant des peintures. Il était tombé là-dessus et il s'est dit, tiens, putain, c'est cool. C'est écrit comme ça, Cadwallon ? C-A-D-W-A, c'est un N à la fin. Ah oui, merde. Et en fait, c'était juste ce mélange-là. Une fois qu'il y avait le mélange, c'est déglaci de snake, parce que vu comment ça pète au niveau pigment, c'était nickel. Alors, on prenait du vermine brown à la fin, mais j'en ai plus, alors. Moi, j'utilise ça, là, du bloodstone, qui est pas mal. Après, c'était rééclaircir jusqu'à l'azur pur, rajouter un peu de gris ciel directement, et après du blanc. Et on avait le métal cadwallon.
C'était l'art magique. Attends. Il y a même, on voit même plus le truc gris ciel. Il est trop vieux, le pot. Donc c'est plus ou moins le truc. Et ça, c'est une super idée de Vincent. Donc voilà. C'était la petite aparté sur le Azur. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Parce que grâce à lui, associé avec la bonne couleur, ça donne un super mélange. Le Snake 8, il est comme ça maintenant. C'est un shade. Ben, je te dis, en fait, maintenant, tu as peut-être le XV88 de Games qui s'en rapproche, mais il n'est pas pareil encore. Alors attends, mais je crois que quand tu me l'as proposé, je l'ai trouvé. Et encore une fois, je me demande si dans la peinture, Prince Auguste Games, qui copiait la Games, justement, non, il est pas la Games Workshop de l'époque, n'est pas un équivalent. Je ne serais pas étonné, en fait. Je l'ai cherché la dernière fois, je crois, quand tu me l'as dit. Donc là, maintenant, je vais foutre des petites touches de bleu azur. Je pense que je vais en mettre un petit peu par endroit dans les creux. En tout cas, dans certains. Ça va rajouter un petit peu de couleur dedans. Et ça va casser un tout petit peu l'orange qui est peut-être un peu fort. Alors là, c'est attention quand vous faites des associations comme ça, faut être sûr que ça marche. Je sais pas si on voit les Prousse Brown, ouais, je sais pas, Rémi, peut-être, mais je t'avoue que je la connais pas. La gamme, donc je me demande en fait si c'est ça ou pas, mais je pense qu'il doit y avoir un truc. Bon, en fait, je me dis que dans les creux, c'est pas la meilleure option. J'ai plutôt venir en caser là où j'ai foutu du vert. Voilà. Comme ça, ça va venir s'additionner au vert et ça me créera. Les bon. Okay. Oui, Rémi dit ça, mais c'est vrai que je sais pas parce que je le connais vraiment pas. Je connais pas le nom de la gamme du tout. Pour le foncé ou pour le. Pour le Snake en fait. Pour le Snake, il y a une couleur, c'est. Pustule, je sais pas quoi, putride, je sais pas quoi, dans chez Games, qui ressemble. Chez Game Color. Hein. Ouais. C'est putride, je sais pas trop quoi. Mmh. C'est le seul qui s'en rapporte, mais je l'ai pas pris en fait, ça donne pas la même. Ouais, je t'avoue que je n'en sais rien. Voilà, donc là, c'est juste un petit peu de bleu complémentaire, genre vraiment pas beaucoup. Ça va permettre de créer. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un peu fait ça à l'improviste parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, c'était pour changer un peu, mais justement, ça montre que Scrofulus pour Plague Brown, dit Rémi. D'accord. Ah, d'ailleurs, il faudrait que je m'en rachète de cette peinture parce qu'elle est pas mal en fait. J'aime bien, j'utilise pas mal le chair elfique et quelques brins que j'ai. Il y a vraiment des bonnes teintes dans cette gamme. Donc, je disais, ici, l'idée, c'est un peu d'improviser le truc. Pour montrer un peu que, bah, avec quelques associations de couleurs, on peut obtenir un truc sympa. Parce que c'était un peu ça aussi, hein, les Sinwall, au final. Hein, je me suis retrouvé à devoir pondre un schéma, des couleurs, pour que ça crée, en fait, la personnalité de l'armée. Alors là, je pense que je vais même pas faire plus. Le peu que j'ai fait se suffit et je vais revenir avec la couleur de base. Comme ça, je vais recréer les volumes et je vais gommer tout ce qui va pas. Voilà, par superposition, par transparence, ça va donc encore accentuer le côté justement pastel de la couleur. Regardez toute la subtilité qu'il faut sans que ça vienne trop agresser le reste.
comme je disais ce matin là, Stéphane, c'était un peu l'esprit en peignant les signaux, en regardant des photos de trucs spatiales. Je regardais tout ce qui était un peu les nébuleuses et compagnie. Il y avait des superbes images et toutes ces couleurs qui s'associent entre elles. J'étais fasciné. Et c'est un peu ce qui m'a conduit en fait à venir vers ce genre de traitement pour les signaux. Ça leur donnait un côté assez intéressant. Bon, après c'était une extrapolation de la chose, hein. C'était pas possible de refaire exactement ces trucs-là, mais. Voilà, là. Ça va effacer un petit peu en dessous. Ça va permettre de refaire un truc propre. Parce que ce qui est compliqué après, c'est toutes ces histoires de tâches qu'on peut avoir. Là, la peinture, je la tire hein, vers les zones de lumière ou vers ce qui sera éclairci après. Ou quelques arêtes. Et j'insiste encore sur le fait que ben, c'est de la construction hein, petit à petit. C'est du passage de couches translucides. Ouh, de la horde! Et on va venir petit à petit créer des choses. Ben c'est cool, on a gagné un degré 2. Parce que j'ai ouvert tout en fait. Quand moi j'ai. Dans le four? Non, on a diminué d'un degré 2. Ah. On n'a pas augmenté. On n'est plus qu'à 24,7, on était à 25,9 tout à l'heure. Parce que j'ai ouvert pour faire passer le frais de la deuxième pièce du fond. Donc là, ça vient progressivement gommer tout ça. Là, on voit bien, là, c'est cool. Mais ça conserve. C'est bien, la couleur de ton pagne, il passe bien. Par contre, ton doigt, il n'est pas de la bonne couleur. Hein. Il est c'est rouge, pas grave. Mais par contre, tu vois, c'est un peu le problème que j'ai moi quand je fais des lives et que je veux montrer des trucs, je suis tout le temps. De toute façon, l'image, c'est toujours compliqué. Hein. Bah, c'est sûr qu'en plus, on ne peint pas pour un visuel internet, donc. Moi, je t'avoue que c'est un truc, j'ai beaucoup de mal. Ouais, c'est pareil, moi aussi. Bon, c'est bon, moi, ça a collé là. Le green stuff, il est bon, je peux y retourner. J'ai coupé mon bras. Une photo ça ou pas? Voilà. Ça commence à prendre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je passe pour quelle heure? Ça commence à être plus propre. Il y a des gens qui commencent à se demander à quelle heure il vient à 16h27. Petit Vincent qui va venir. Cool. On sera 5 pour jouer, impeccable. On pourra jouer les 5 personnages de Blackstone Fortress. C'est marrant qu'il n'y a pas Rakan Fan, non? Il est peut-être pas là, il est peut-être en vacances. Bertrand qui loupe un tuto de Martin Grandbas, c'est dur. Hein. Il est peut-être en vacances. Non mais même il est tout le temps en train de regarder. Bon, j'espère qu'il n'est pas arrivé de la mienne. Mais... Dès que je peux rendre du Rakam, c'est le premier sur le chat sur la ligne. Et en plus, c'est même pas moi, c'est toi. Voilà. Allez. Là, je réinsiste un peu. La peinture, c'est je la dilue. Quasiment plus. Juste, c'est l'humidité du pinceau, en fait, qui va faire le travail. Pour pas avoir d'épaisseur et être sûr que ça couvre plus. Du coup, ce qui était en dessous, là, ce qui n'était pas super clean, bah là, en fait, c'est tout de suite en train de devenir un peu plus subtil.
Une fois que j'ai claqué l'ivoire, ça va le faire. Là, c'est clairement du truc sinoule comme j'aurais pu le faire à l'époque. Martin à Condénin. Martin à Condénin. Ben je sais pas, ils sont tous. Ils vont finir tous chez Rémi, ça continue. Ouais, ben justement. Non, je rigole, mais les autres, je les vendrai pas. Et puis ceux-là, je les referai. Où tu les referais? Martin à Condénin. Oula. Ah, je crois que j'ai mon truc qui se... Non, ça va. Je pars vers 10 bêta. Alors oui, il a tout compris. Okay. Tu dis quand tu veux, il me dit bah 10 bêta. Voilà. Là, c'est pas mal. Bon, du coup, ici c'est bien. J'ai pas besoin de faire plus avec ça. Et je vais y aller maintenant avec l'ivoire pour faire bien péter les lumières. En me concentrant donc uniquement sur les zones d'éclaircie. Et ça va nous donner un beau petit truc tout léger, tout pastel. Est-ce qu'ils sont cons, les gens, je les aime. Alors, comme ça, on n'a pas une couleur en fait trop forte, trop saturée. Qui serait un peu bizarre avec le reste. Ah, et ça se démarque en plus bien du reste, malgré tout. Donc la peinture, niveau dilution, bah, c'est un peu comme d'habitude, quoi. Au début, je dilue un peu plus. Et puis là, arrivé à certains éclaircies, en fait, je vais clairement y aller avec la peinture brute. Vu qu'elle est suffisamment fine. Hey, c'est moi où il commence à faire chaud ici. Non, il fait un degré de moins que tout à l'heure. Peut-être le PC qui chauffe. Ah oui, ça doit être ça. Il tourne depuis 6 heures. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça c'est quasiment fini. Voilà, et là on a un truc tout en dégradé, tout fin, bien lumineux. Qui va rester donc dans l'esprit de l'armée.
coup. Bon, là, je pense que pour le tissu, là, on est quasiment bon. Bon, je crois que dans le fond, je retravaillerai la peau quand même sur cette figurine parce que je pense que je suis allé un peu trop sombre. Ça me plaît pas. Et voilà donc le tissu. Je sais pas si on voit bien, mais les quelques nuances qu'il y a dedans. Voilà, là, on a un truc typique Cineworld. Avec quelques touches légères de couleur. Voilà. Bon, ben, ce que je peux faire maintenant, c'est peut-être attaquer... Je vais peut-être m'attaquer au métallique, tiens, de la lame. Oh oui, le métal de la lame. Parce que là, j'ai les couleurs, en fait, quasiment précises de la chose. Excusez-moi, j'ai un message de madame. Le monde s'est pas été kidnappé par... Non, sur la coule douce en Italie. Ouais, c'est ça. Le mec, mais vraiment... Alors... La lame, donc, les Cineworld. Cool, ben si ça marche, Rémi, c'est top. Parce que c'est difficile à dire, hein. Moi je sais pas trop. De quoi qu'est-ce qu'il dit, Rémi ? Non, il dit que ça fonctionne bien à la caméra. Parce que je sais pas trop si on voit vraiment toutes les petits rajouts en fait légers de vert dedans. Mais voilà, en fait ça va donner un bel équilibre avec le reste. Parce que, mine de rien, le reste est assez froid. Donc ça va venir un peu réchauffer le tout. Et je pense que, je l'ai pas fait, mais le grand drapé, là, il serait cool en plus, comme ça. C'est pratique, hein, se battre en échasse avec un grand drapeau au milieu. C'est le meilleur moyen de te casser la gueule. Mais bon, c'est des elfes, ils doivent être forts. Ouais, mais de toute façon, tu peux rien leur dire. C'est des êtres de lumière, autres. Alors, maintenant, le bleu, le gris bleu métallique de la lame, c'était... alors, j'ai pu, moi, en fait, la couleur qu'on utilisait avant. Donc, je l'ai remplacé, en fait, par le Thunderhawk Blue de Games, en fait, qui est très bien. Qui fera une bonne base parce qu'en fait souvent les bases de métallique, je dis bien souvent hein, mais pas tout le temps, on utilisait quand même pas mal de games hein, le gris, on utilisait le gris codex, oui, c'est ça le gris codex, il y avait un bleu gris, je sais plus si c'était ça ou peut-être, c'était peut-être un prince auguste en fait pour celui-là, mais je reconnais que je suis plus certain. Après il y a des tons, c'était du prince auguste qu'on utilisait sur les nains, sauf l'acier qui était fait aussi avec du games en base. Et des fois il y avait des bronzes qu'on faisait avec du scorch brown en base aussi qui fonctionnait pas mal. C'était vraiment des super couleurs ça à l'époque. Ça reste parmi mes préférés. Bon, du coup, on va refaire une petite étape base. Comme d'hab, je vais déjà la diluer un peu plus. Mais bon, en tout cas, les lames Cineworld, c'était souvent fait avec des gris bleus. C'était un peu l'esprit. C'était pareil, pour pas avoir un truc trop gris, trop fade. On voulait qu'il y ait un petit peu plus de couleur dedans. Et puis, en plus, là, une fois éclairci...
Parce que il va y avoir du gris en fait pour désaturer un peu ça. Et donc là, ce qui sera du coup pas mal, c'est que par association, ça va venir bien, là ici en l'occurrence, accompagner les tons orangés du drapé. Du fait d'avoir du bleu autour. Donc la première base, hein, elle est un peu crado, hein, c'est normal. Puis comme je le disais tout à l'heure, là, le primer, il est un peu hydrophobe. Ce qui fait que la peinture, au départ, elle galère un peu. Mais bon, en insistant un peu, ça fonctionne. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, ça a une drôle d'apparence. Mais dites-vous que c'est pas un problème, ça. Il suffit juste d'insister avec la peinture et ça va complètement couvrir. Tiens, on le voit là à l'extrémité, la peinture, elle s'est légèrement barrée. Elle a fui vers des creux. Ah, je vais y aller avec une peinture moins diluée. Paf. Moi, j'ai contré ça en mettant pas de peinture diluée, mais je fais un mélange en fait. Comme ça, toi, Par contre, là, je t'as vais. ton glacis de base là, ou t'as ton truc par transparence. Moi, je fais tout de suite le mélange, comme ça, ça tient beaucoup mieux. Ouais. Je suis obligé de bien laisser sécher à chaque fois parce que. Oui, en chauffant, ouais, bah ouais. Forcément, hein. La peinture, tout de suite, elle va. Ah oui, tu chauffes, hein. Tu chauffes, poum, tu mets, ça Ouais, tient c'est instantanément. vrai. Et en plus, c'est la première couche que tu mets, donc c'est la glacis de Ouais, la ouais, peinture. Et ça ouais. sèche, c'est qui t'a dit en chauffant? Le gauche. Ok, non, en chauffant, ça tient direct. Bah, moi, c'est ce que j'ai réussi à contrer pour éviter d'attendre trop longtemps et que ça adhère. En fait, tu chauffes, tu poses, pan! Surtout quand tu mets une base, pan, ça sèche Ouais. instantanément. Et après, quand tu as posé, tu sèches et ça passe. C'est un peu la façon que j'ai réussi à contrer pour avoir des effets quand tu as une primeur trop lisse, en fait. Oh, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Je vais repasser maintenant une seconde couche et je pense que je vais en faire une dernière pour m'assurer que ce soit bien opaque derrière. Ouais, moi j'ai trouvé des astuces pour aller plus vite, hein, sinon. Donc il y en a beaucoup qui me demandent ta sous-couche, je comprends pas, ça tient pas la peinture. Ben, je leur dis, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais un gros wash de noir marron pour avoir les volumes. Ben, je dis, ça va pas marcher. Parce que comme c'est super lisse et on a l'impression que tu fais ça sur du verre, c'est pareil, hein, ça tient Ouais, tout le temps. voilà, ouais. Donc je leur ai dit, bah, vous chauffez votre figurine, vous mettez dessus, vous verrez que ça marche. Et là, oh oui, trop bien! Comme moi, la sous-couche, la figurine, elle arrive sous l'établi, là. Je la chauffe pour la sécher, elle est chaude et je mets tout de suite ma base. Bim! Et donc, bah, ça va plus vite, quoi. Parce que c'est sûr qu'au début, quand je l'ai dit, ah putain, c'est lisse, c'est bien. Hein. Oh, par contre, ça tombe pas bien. Voilà. Là, ça devrait être. C'est trop cool le custom de la résine, putain, c'est trop bien. C'est pas du métal, hein, putain. Ça devrait être pas mal. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pas ombrer, parce que j'ai une base en fait qui au final reste un peu plus sombre quand même. Et en fait, je ferai des ombrages à la fin, via des glacis. Enfin, à la fin. Pas vraiment à la fin, mais je vais les faire après les éclaircies, là, cette fois-ci. Parce qu'habituellement, j'aurais plutôt tendance à faire les ombres, du non métallique, puis à faire la lumière. Mais là, cette fois-ci, je vais pas faire ça.
Parce qu'avec cette couleur, justement, c'est pas comme ça que je procédais, c'était en éclaircissant d'abord, puisque c'est les glacis à la fin qui donnaient en fait la teinte particulière des lames. Donc c'était le Thunder Oak, là, enfin donc un gris bleu, hein. Encore une fois, hein, c'est pas obligatoirement celui-ci, hein, que j'éclaircissais avec un gris ciel. Bah, tu vois, moi je prends gris bleu foncé. Ouais. Oui, bah oui, c'est bien ça. Ça fonctionne vachement bien. Parce que du coup, le gris ciel, il va venir un petit peu Ouais. désaturer le tout. Tu sais que le gris bleu foncé, c'est le mélange entre le gris foncé. Attends, c'est bien. C'est le mélange entre le gris. Donc là, j'en ai rajouté un peu dedans. Alors. Le bleu foncé, c'est ce mélange de celle-là. Là, le truc, ça va être de trouver les bonnes lumières. Et ben, en fait, ça va être assez simple. On a déjà la tranche ici qui va bien prendre la lumière. Ce que je vais faire, c'est que sur le tranchant, je vais aller ici. Parce que, en fait, d'avoir ce truc-là bien mis en avant grâce à l'éclaircie, ça va permettre de bien redessiner comment, la courbe de la lame. Je vais en faire un là aussi, vers la base, toujours sur le tranchant. Comme ça, en fait, ça va me permettre de faire aussi une zone éclaircie au milieu ici sur le plat. Comme ça fera un peu plus de choses qui bougent sur la lame. Parce que après le NMM Arakam, il est vraiment old school, hein. On n'est plus du tout, enfin vraiment loin de ce qui se fait maintenant. C'était un truc assez. Bon, de toute façon, on était inspiré vachement par les peintures de Paolo Parente, quand il faisait les mises en couleur des concepts, des figurines, et puis Paul Bonheur, bien Paul Bonheur sûr. hein, qui fait des lames, pouah, il se détend. Paul Bonheur, c'était une inspiration évidente. En permanence. Donc en fait, on était vachement inspiré par tout ça. C'est pour ça qu'on avait un peu aussi cet aspect un peu. Pardon, je m'échappe un peu de. Cet aspect un peu gris, très gris pierre, enfin pas gris pierre, mais. C'est-à-dire que c'était pas un métal comme on peut le voir aujourd'hui, là où il y a des effets très graphiques, vachement accentués. C'était assez doux. D'ailleurs, il va falloir que j'en fasse un tuto parce qu'on me demande encore. Donc là, du coup, bah, le mélange, je vais le passer plusieurs fois, le tirer toujours vers les mêmes zones. Et ce qu'il faut aussi réussir à faire, c'est dessiner. Faut que tout soit compréhensible au niveau du volume. Donc il y a tout ce truc sur le tranchant là, tout ce qui sépare le plat du tranchant, ça fait comme une ligne, une fine ligne en fait. Et ça, ben j'hésite pas à le redessiner avec la pointe du pinceau. Parce que sinon, si on le fait pas, ça va faire des zones pas clairement définies. Et là, c'est pareil, toutes les arêtes en fait de l'épée, tout ce qui fait le contour, je le reprends systématiquement avec les éclaircies, parce que en fait, c'est encore une fois, ça va la délimiter. Et ça, c'est vachement important. Encore une fois, pour la lecture. La lecture de l'objet, hein, j'entends. C'est-à-dire que quand on le regarde, il faut qu'on pige tout de suite. Oups. Je m'éloigne un peu. C'est pas facile, hein, de peindre avec une caméra. Ah, carrément. Putain. Ouais, t'as vu, hein? C'est du score, Les pauvres, j'arrête pas de bouger n'importe comment, ils doivent être fous. hein? Non, mais dès qu'ils ont cap. En fait, s'ils écoutent et qu'ils captent, c'est ça beaucoup. C'est. Le caméra marche beaucoup comme ça. En fait, dès qu'ils ont compris, Donc c'est. je tire toujours la peinture vers la lumière, systématiquement. Et là, vous voyez, hein, je suis toujours avec le même mélange. Et ben, je fais encore, des passages. Et ce, avec un seul mélange.
Et après, je vais faire pareil avec les suivants. C'est juste que au début, en plus, il faut que la peinture démarque un peu plus, quoi. Et c'est toujours aux premières étapes de mélange que ça a le plus de mal. Et après, c'est plus facile. Et puis après, ben, ça va mieux parce qu'on réduit les zones de peinture. On a une couleur qui devient de plus en plus claire, de plus en plus pâle. Mais là, en fait, c'est toute une étape de construction qui est en train de se faire. Donc à chaque fois, ben, j'insiste. Jusqu'à temps que les passages commencent à former une différence vachement plus marquée, mais tout en essayant de conserver cet aspect un peu dégradé. Qui seront évidemment recorrigés via des glacines. C'est toujours le truc, hein. Enfin, moi, c'est la base de la peinture que je fais de toute façon, c'est glacis, 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 glacis. Tout le temps. C'est comme ça que j'aime bien faire, après, encore une fois. Hein, c'est pour ça que tu mets un temps infini. Oui, c'est pour ça que c'est long. Et c'est pour ça parce que le glacis, c'est long. Hein? C'est pour ça qu'on te commande de la peinture, parce que le rendu, il est trop fou. Ben, j'estime qu'il est suffisamment propre. C'est ce qui compte le plus pour moi. Je veux que ce soit propre et que ça pop. Pas de tricherie. Tu cibles quelqu'un quand tu... Non, non, je cible personne. Alors on voit un petit peu là déjà, hein. Et pourtant je suis toujours avec le même mélange. Parce que là en fait à la caméra ça force un peu plus que ce que c'est dans la réalité là. Mais bon au moins on voit bien les zones sur lesquelles je... Et déjà là c'est rigolo, hein. Ça donne un petit effet sympa pourtant, c'est tout con. Mais hein. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de toujours bien insister sur les passages. Quand on veut faire un beau dégradé, quoi. Faut prendre son temps. Faut tirer la peinture. Je ne fais que la pousser vers la zone de lumière. Hein. Parce que si vous ne faites pas ce geste, en fait, de bien pousser la peinture là où elle va finir, en séchant, ben, ça va créer des irrégularités, ça va créer des taches. Et ce sera pas très joli. Donc là, c'est systématiquement tiré vers la zone de lumière. Et le pigment, au fur et à mesure que je fais des passages, ben, il va se déposer là. Alors là, la particularité du truc qui est au milieu, c'est que j'ai d'un côté une zone sombre, et l'autre côté encore une zone sombre. Donc ce que je fais, c'est que je sépare un peu en deux. C'est-à-dire que je tire vers le milieu en fait, de ce truc, et puis je vais faire pareil dans l'autre sens. Comme ça, il y a tout qui se rejoint. Et ça va me permettre d'avoir un truc plus sympa. Parce que ça, ça pourrait être un peu galère aussi. Donc là, maintenant, je peux passer à l'étape suivante. Je vais rajouter du gris. Là, j'ai mon bleu en fait qui est un peu trop séché. Voilà. Puis c'est pareil, il n'y a pas forcément besoin de toujours faire trop de mélange. Une fois que la peinture est bien diluée, c'est le geste en fait qui va faire tout avec la peinture. C'est pour ça que je passe mon temps en fait à tirer la peinture tout le temps. Voilà, donc faut faire attention, hein, d'éviter le plus possible en fait d'avoir des strates dans le dégradé. Ce que j'appelle les strates, c'est d'avoir une démarcation beaucoup trop forte entre la couleur précédente et la suivante. Ah oui, les peintures. Qu'on appelle, comment s'appelle, code barre. Ouais, c'est ça. Donc je reviens toujours dessiner les délimitations de la lame. Ah,
Avec la pointe, je fais attention de bien dessiner ça. Voilà. Donc, je suis obligé à chaque fois de changer un peu de position pour être sûr que, en fonction de chaque face, j'ai un geste en fait qui soit plus facile pour effectuer justement le fait de tirer la peinture. Donc c'est pour ça, hein, ça c'est pareil, faut pas hésiter régulièrement à se repositionner en fait pour avoir un geste optimum. Quand en gros on fait un dégradé. C'est pas l'heure du goûter là? Quoi, des chocs à pic? Mais c'est ça, ça pique, toi. Mais là, ah, les gars, il y a qui ici que vous allez entendre des conneries comme ça? C'est trop bien. Des chocs à pic. Alors là, ce qui est bien, c'est que la couleur étant un peu plus claire, sur un truc un peu plus clair, ben, j'ai pas besoin d'insister autant au final au niveau des passages. Et je réduis systématiquement la zone aussi. C'est ce qui va contribuer à créer le dégradé. Ça, je le répète, hein, souvent. C'est tirer la peinture, réduire la zone. Tu sais qu'on demande beaucoup. Quel pourcentage de zone on doit faire? Ah, c'est pas évident, ça, c'est un... Ah bah c'est oui. En fait, sur une grande c'est en fonction du volume quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent la moitié est éclaircie, cette moitié-là tu prends les deux tiers, puis après un tiers, puis rien, puis point blanc. Et en fait tu glaces tout. J'étais obligé de faire ça parce que les gens me demandaient trop à chaque fois. C'était dur de leur expliquer. Voilà, j'ai rajouté du gris. Bon, en fait, je suis quasiment à la couleur pure. Hein. Ça suffira amplement. Cet après-midi, je sais si 10 personnes, c'est bien, comment il fait beau. Voilà. J'ai fait un petit bug, mais c'est pas grave. Avec la Prince Auguste, ça s'efface. Et ouais, c'est ça qui est bien. Et c'est quand même un vrai confort. Comme on dit, le coup du pouce, hop, t'enlèves avec le pouce. Ouais, moi des fois je fais ça. Hein. Alors, moi je le fais plein de fois, moi. Je le fais plein de fois. La zone stop, elle n'est pas bien séchée, ça me saoule, je suis obligé de la refaire. Oups, pardon. Je me suis un peu trop éloigné. Ah, de gauche, tu reprends de la sous-couche Games derrière. Quoi? Il me dit que ça, c'était pénible, alors, comme c'est pas pénible. Ah. C'est vrai que pour certains, ça doit être chiant. Hein. Ah, et déjà là, ça commence à créer un effet sympa. Alors que j'ai juste dégradé petit à petit la couleur de base avec le gris ciel. Faire attention à sa dilution, faire attention aux gestes qu'on effectue avec la peinture pour bien la contrôler. Et puis surtout, bien insister sur le nombre de couches qu'il faut faire. Pour avoir en fait un rendu optimum au niveau de la l'intensité du pigment.
Tout le monde s'est endormi là. C'est vrai? Oh putain! C'est l'heure de la sieste? Bah, il est 17h en fait. Ou c'est l'heure de l'apéro? Non, ils vont arriver d'un seul coup entre 18 et 20. C'est dommage, c'est l'heure de la pause. Ouais, il y en a pas mal qui sont partis, des habitués. Enfin, de toute façon, ce sera en rediffusion. Tant! Il y en a trois qui viennent d'arriver. Hein. Parce qu'en fait, les gens, ils vont allumer leur téléphone portable. Mm-hmm. Et ils sont en. Tu sais, ils sont en tramway ou en machin, donc ils regardent. C'est l'heure du goûter. Bah, tu vois, c'est là ce que je disais à Rémi. Tu m'étonnes. Bah, lui, il va aller donner goûter aux gamins, lui, normalement. C'est pour ça qu'ils disparaissent. Du coup, on a quasiment beaucoup de papa dans le chat. Hein. Et ouais. Et j'ai une grande, grande dose de papa célibataire aussi. Toi, tu me remets là, le truc d'avant. C'est à chaque fois que tu regardes. Là, t'appuies là au cas où. Ah, merci. Quel bordel la palette, là. Ça me fait trop kiffer une peinture clean et la palette elle est bordée. ça me fait trop rigoler avec les gars qui disent. C'est ça les gars qui disent eh, faut une palette nickel, propre. Pourquoi faire ? Propre, blanche, un atelier de ouf, clean. Plus c'est le bordel, plus c'est la fête. C'est qui va l'arriver là, ce clean ? Et moi, je teste en direct. Oh putain, tu testes en direct ? Ah ça, c'est trop trop cool ça. Cool. J'en ferai ça hein, aussi, hein, si vous voulez, on en fera pour les abonnés. Parce que sinon, si je le fais pas pour les abonnés, je peux pas répondre à tout le monde en même temps. Voilà, là je suis au gris pur. Raven Mini, un Kinder Pingouin, hop. Ah non, pas Kinder là. Je vais passer aux gamins, attends, les Kinder Pingouin, ils vont devenir. Ils vont rouler après. C'est pas bon ça, les Kinder Pingouin. Bon bah moi je me prends une madeleine. Hein. C'est un ouf ce mec. Eh, un petit cookie gros. Un quoi? Un petit cookie bio au chocolat. Ah. Ah. Moi je dis que. Ah. Tu t'es pris ton petit jus d'orange là? Ouais. Tiens, regarde. Moi je dis que toi tu sais ce qu'on sait. Ah, moi je sais ce qu'on sait, que tu sais que je sais. T'inquiète, Tintin. Tiens, deux pour la peine. Si merde. Tu vois, ils sont super bons. Putain, qu'est-ce qu'on est bien accueilli chez Army. Pourquoi on peut pas m'inviter plus souvent comme ça? Rémi a fait une brioche grecque. Miam, ça doit être bon ça. Ouah, qui a fait ça? Rémi. Ouah, mais lui cuisine aussi. Mais comment on peut pas. Ah, et pour les mômes, hein, il faut. Hein. Putain, mais il est trop bon ce gars-là. Moi, brioche grecque. Rémi. Et moi, je connais que grec, moi. T'es bon à marier, Rémi, hein, je pense. Hein. Ouais, bon, je pense que c'est déjà fait. Hein. Lui, il peint, il scute, s'occupe des mômes, il fait à bouffer. Tranquille, la vie. Je suis sûr qu'il fait le ménage. Ah, ouais, c'est beau. Voilà, donc là j'insiste. Ben moi je fais une margarita. Ouais, ok. Pas la même chose, hein. Il est pas là avec qui. C'est beau, Rémi, c'est beau. 19 ans quand même déjà, la vache. C'est incroyable. Oh, c'est beaucoup trop. 19 ans ouais. Non, mais ouais, ça fait. Ça fait très très jeune, ça. C'est beau, c'est beau. Ouais, non, c'est bien, hein. Moi j'éteins la lumière, j'ai plus besoin. Que le soleil en plein. Alors là, je fais des trucs un peu plus précis avec le gris ciel. Pour bien redessiner. Oh, oh. On voit rien là. Voilà. Je redessine donc tous les petits. En fait, c'est tout ce qui. Tout ce qui correspond aux arêtes. Pour qu'on puisse bien comprendre tout le volume, toute la forme sur l'épée. Et j'insiste, je tire bien en fait le gris ciel. Alors, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est venu complètement. Désaturer la couleur de base. Et là, par exemple, je vois que sur la lame ici, il faut que j'insiste un peu au niveau des passages. Alors là, tu as fait. Pourquoi ce reflet blanc ici de ta lame? Pour contraster avec le visage? Alors en fait, je suis parti du principe que
tout bêtement. Il n'y a pas vraiment de logique. Hein. C'est juste que moi, mon truc de base, quand je peins les lames, j'aime bien que le bout du tranchant, tu vois, soit blanc, bien éclairci. Ouais, parce que, en fait, comme ça, on voit bien la courbe. Et comme ça, ça permet de bien dessiner, en fait, l'ensemble de la lame. Et là, je me suis dit, du coup, bah, la lame est assez longue. Donc, je ne vais pas, en fait, faire la moitié comme ça éclaircie et la moitié la sombre. Mmh. À la place, bah, ici, je vais remettre de la lumière. C'est ça, des fois, que je capte et pas. Et du coup, vu que j'ai mis de la lumière là, donc il y a de l'ombre là, bah, vu que tu as de l'ombre ici, ici, ça va être inversé. Okay. Tu vois, tu vas avoir là où c'est clair, du sombre. Et donc, ben, je fais exactement la même chose ici. Et effectivement, ce qui est pas mal, c'est que le clair qui est là... On fait sortir le visage. Hop, il va guider vers le visage aussi. Oui, c'est ce que j'avais compris, je crois que c'était ça. C'est-à-dire qu'en plus, les cheveux, s'ils sont clairs avec, voilà. avec le bleu, ça fonctionne bien. Tu peux faire des jolis cheveux jaunes, là. Ça marchera bien avec le bleu. Moi, je les ferais pas jaunes. Les Sinwall, ils étaient un peu... Blancs. Ils avaient des cheveux un peu colorés pastel. Ou noirs, mais là, je vais pas les faire. Ah, ça fait ressortir encore plus la main. Ouais, bah oui. Pas mal. Ouais, moi, c'est un peu le problème que j'ai sur certaines lames comme ça, parce que moi, je fais tout le dégradé et après, je mets 15 milliards de couleurs. Bon, mais après, ça, c'est ma façon de faire les lames. Bon, je suis un peu trop... Bah là, pour le coup, c'est un... Je suis un peu trop, peut-être, mine de rien. Ouais, c'est ça, en fait. Mais quand je fais des lames comme ça, je fais pas... Là, c'est un dégradé plutôt basique. Je fais pas ce... Juste bien poussé. Ce demi-code barre, là, je le fais pas, en fait, j'arrive pas. Bah, en fait, je pourrais le faire, mais j'arrive pas à savoir quand je dois le faire. Et là, sur la figurine, je le comprends, là, pourquoi il est comme ça. Bah, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça donne, tu vois, du jeu aussi. Ça va donner du jeu sur la lame, c'est sympa. Attends, faut que je regarde ton coloration de ta lame. Attends, parce que, en fait, faut que là. Faut que je la regarde. Ah, oh, elle est plus claire que ça. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça pète là. Regarde, le problème avec, avec cette teinte là, regarde, t'as perdu tout le vert de la crêpe. Oui, ah oui, effectivement, on le voit plus le vert dedans. Alors, là, je vais reprendre juste, comme je disais, les arêtes. Avec la pointe. Avec une peinture suffisamment diluée, mais pas trop. Pour être sûr que j'ai pas un truc qui déborde et c'est vraiment juste la pointe hein, qui vient quand on fait un truc comme ça, ce qui compte c'est d'arriver à juste en deux couleurs là t'as fait pour l'instant oui et après je vais venir tout glaceau, bleu marine, tout enrichir via des glacis et c'était la couleur quasiment la même couleur que ce qu'on utilisait sur les Sinwall. Okay. C'était pas le même gris bleu quoi mais c'est pas très important ça. Que je dois plus en avoir à la maison, je crois que c'était du principe. Oh, regarde, toutes les figurines, quand tu le regardes à l'inverse, un visage... Ah bah, bien sûr, bien sûr. Évidemment, vu que ouais, c'est... Les gens qui disent, ah bah moi je parle dessous, c'est bien. Bah, vous pouvez leur dire que c'est faux. C'est pas possible, c'est pas de la... C'est pas de la... C'est pas comme ça. Voilà, là on devrait être pas mal. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là avec le gris ciel. Je vais insister un petit peu plus ici pour qu'il soit un peu plus fort. Je vais revenir là. Et ça devrait le faire. Voilà, donc là, c'est le début de la lame. Tu dis aux gens, c'est le début de la lame pour eux. Ça a été non, mais après, après il faut juste une petite étape pour agrémenter le tout. Et en vrai, à la fin, il faut finaliser. Chose que je ne ferai pas maintenant. Parce qu'à chaque fois que je fais des glacis, je reviens derrière avec... Là, je reviendrai, par exemple, avec le gris ciel. Pour réinsister avec le gris ciel pour qu'il regagne en intensité. Et je finirai au blanc. Est-ce que là, dans ton bleu, tu vas mettre du marron Royal Navy qu'on voit de temps en temps dans les lames racines? Non, parce que les Sinwall, ce n'était pas ça. Okay. Mais justement, je vais montrer, parce que là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le Sinwall. Donc, je commence d'abord avec bleu marine foncé. Qu'est-ce que j'en utilise de celui-là? Couleur magique chez Rackham. Vraiment, celle-là, elle est dans le top 5. Je crois qu'on en foutait partout. Bah, gris pierre, bleu marine foncé, gris ciel. 125 glacis pour finir. Ouais, non, ça va, Rémi, t'inquiète. Pour le temps, c'est trop petit. C'est
trop petit, ouais. Par contre, sur les Wolfen, oui. Ah oh, putain. Les lames de Wolfen, les peaux de Wolfen, il y en a des glacis, ça m'ira. Hop là, c'est le festival des couleurs. Regarde, il y a tous les. Là, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 habitués qui sont pas là. Je les vois là. Mais il fait beau là. Ah oui, c'est normal. C'est pour ça qu'on a commencé le bonheur. Donc là, c'est pour ça que j'ai aussi. Là, on les voit pas vraiment à la caméra, mais que j'ai deux pots de peinture. La raison, c'est que. Alors, je sais pas si je peux le montrer sous celle-là. Ouais. Je vais montrer un peu l'état de la flotte. Voilà. Là, c'est là-dedans, en fait, où je rince tout le temps mon pinceau. Par exemple. Il y a quand même pas mal de peintures avec des pigments relativement clairs. Bah, il y a tous les peintures de tout à l'heure. Et là, j'en ai un deuxième comme ça. Il est nickel. Donc, pourquoi ? Ben, c'est là-dedans, en fait, que je viens prendre la flotte pour faire mes glacis. Parce que si je la prends avec ça, ça va mélanger. Je vais avoir tous les petits pigments clairs qui vont venir m'emmerder. Donc c'est pour ça que j'ai toujours deux pots. Et trois pots si tu fais du métal. Bah en fait pour le métallique je fais pareil, j'ai deux pots pour le métallique. Et j'ai des pinceaux pour le métallique, et j'ai une palette pour le métallique, et j'ai des chiffons pour le métallique. Je sépare toujours en double pour la peinture métallique. Ouais, je fais pareil. Systématiquement. Moi. Bah je fais pareil, oui, non quoi. Souvent je fais les donc là, comme ça, métalliques avant je prends une eau propre pour caser mon glacis. Bah vu que c'est par transparence et que c'est sur quelque chose de clair. Voilà. Et donc là, j'ai pris mon bleu marine foncé et je vais commencer à faire des glacis. Alors, faut faire gaffe, hein, faut bien, encore une fois, les diriger, les contrôler. Donc je vais les pousser dans l'ombre en partant des zones de lumière. Est-ce que c'est clair ? Je pousse à partir de la zone de lumière, je mange un peu dedans pour que justement ça vienne colorer un petit peu les pigments clairs. Coller ça là-bas. Parce qu'encore une fois, le fait de venir manger un petit peu dans une zone, ça va permettre de mieux la fondre. Ah cool. Et après, je vais plus insister encore avec la peinture. Je vais même par endroit y aller avec c'est la quoi, peinture. C'est du bleu marine que tu fais là ? C'est du bleu marine foncé, ouais. Ah, je le voyais quasiment pas. Il y a des endroits, je le prends carrément pas dilué, juste pour insister dans l'ombre. D'où pourquoi la palette sèche est bien pour ça. Ah oui, elle est merveilleuse. Bah, surtout pour les glacis. Hein. Ah oui, je trouve qu'elle est mieux que la palette humide. Hein. Mais bon, après, encore une fois, c'est une histoire d'habitude. Hein. Ouais. Moi, je préfère travailler avec ça. Je suis habitué depuis longtemps. Et ça... Enfin, moi, c'est juste que la palette humide, ça correspond pas du tout à ce que je fais en peinture. À la méthode. Ce que je leur dis aux gens, c'est bien, mais s'ils veulent le même rendu que nous on fait, bah c'est une palette sèche, c'est pas une palette humide. Avec la palette humide, c'est pas possible. Après, on a rien contre la palette humide, mais ça donne un autre. Non, c'est juste que ça marche pas avec ça. Ça marche pas avec ça. Mais moi, j'ai une palette encore plus, j'ai une palette silicone. Moi, je vais encore plus loin dans la délire. À quand la palette chaude ? Ouais, bah ça, c'est quand je pense sur ma meuf. Avec mon pinceau. Ouh, ça va. Donc là, c'est des petits passages. J'insiste un peu plus dans les ombres. Pour que, en fait, on ait une démarcation qui devienne un peu plus marquée. Oui, super. Une démarcation un peu plus forte. Sinon, ça me plaît, moi. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je crois même moi qui parle. Oui, parce qu'une démarcation un peu plus marquée, comment dire. C'est moi, je fais mes tutos. Et nous voilà sur une prochaine partie de l'appart. Tu fais part. C'est rigolo. Parce que ça marche bien ça, dans le non métallique, d'avoir des contrastes assez forts en fait. Il faut d'ailleurs. Ça va démarquer l'élément des autres. Bah, il y en a qui l'ont compris, hein, parce qu'ils mettent noir blanc, noir blanc, noir blanc. Bien sûr. Donc là, je vais faire. Rame, ils oublient de colorer. Ça. Ah, j'ai fait du non l'autre métallique. L'autre face. Et là, on n'est que sur deux ou trois couleurs. Alors imaginez quand. Là, il y en a trois. Quand il y a trois, quand vous avez des lames façon Paul Bonheur, où il y a cinq couleurs dans la même lame de 2 mm. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, hein, je vous encourage à. Ah, mais j'adore ça. Hein. À regarder les illustrations. C'est rigolo de voir les couleurs qu'on peut trouver.
justement dans du non métallique. C'est très intéressant. Et ça vous montre que ce qui est génial en fait avec, avec cette technique-là, c'est qu'on peut justement agrémenter ces éléments de tout ce qu'on veut. Même s'il faut prendre en compte qu'il faut le faire par rapport à ce qui est autour. Exactement. Sur la figurine. Pour pas partir en vrille et que ça reste équilibré. Et qu'on n'ait pas. Après, tu peux en faire des plus minuscules encore. Ah, c'est clair. Ça, quand je l'ai vu, je dis oh là là, le non métallique, c'est un truc qui fait 2000 mètres de large. Parce que avoir plein de couleurs, c'est pas un problème. Il faut juste être sûr que ça fonctionne. En fait. Hein, ouais, faut bien équilibrer sur tout. Et puis, une couleur, elle peut venir appuyer une autre aussi, indirectement. C'est comme ça que je me suis énormément concentré depuis quelques années sur les mines nord, parce que c'est très compliqué à comprendre le façonnement. C'est clair. Et dès que tu as capté ça, tout le reste devient beaucoup plus facile en fait. Comme vous savez, de temps en temps, je fais des figurines d'exercice. En fait, ce qui était rigolo... C'est super compliqué exprès. Ce qui était rigolo dans la façon de travailler de Vincent quand il s'attaquait à ça, c'est qu'en fait, il avait une douzaine de peintures en face de lui, les mêmes. Il faisait ses petites crottins de peinture dans sa palette. Les tutos que je fais. Et puis en fait, il travaillait tout... Il faisait ses bases en mélangeant dans le frais. Ouais, sur toute la figurine. Et puis après, il travaillait zone par zone, donc une jambe complète, avec tous les détails qu'il y a dessus. Mais ce qui était marrant, c'est que du coup, il remélangeait ses peintures en les remélangeant avec un autre truc, avec machin. Et puis, il faisait ses trucs. Et puis, du coup, après, une fois qu'il avait entièrement fait la jambe, bah, hop, il faisait une autre. Et puis un autre élément, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il les construisait, en fait. Et puis, il équilibrait le tout, au final. Hein. C'était très intéressant. Moi, je sais pas faire ça. Mais moi j'aime bien faire ça, mais pas parler moi, je fais toute la figure. Moi je suis trop protocolaire. C'est pour ça que je kiffe les mines nord, hein. C'est la fête de la couleur. Ah, ils sont géniaux. Hein. Bon voilà, du coup avec le bleu marine foncé on est bon, j'ai pas besoin de faire plus. Donc ça permet d'avoir en fait un ombrage vachement plus fort, un peu, comme on peut le voir. Mais ça suffit pas, dans les lames Sinwall, il me manque un ingrédient. Oh, c'est quoi ? Que je vais prendre avec le snake oui, bite. Trop cool, la rouille. Parce que ça, c'est pas pour faire de la rouille en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que j'ai pris le bleu marine foncé. C'est que le snake bite, vachement dilué là en glacis, qui est un petit peu jaune. Oui, ça fait jaune. Oui. Déposé en fait sur le bleu marine foncé, va donner un aspect un peu verdâtre. C'est ça. Et ça, c'est bonheur. Ce que moi, j'avais pas compris quand je faisais pas des glacis, et en fait, j'utilisais ça. Et je me trompais en fait. J'utilisais du gris olive en fait. Ouais, ouais. Et je me trompais. Et en fait, c'est juste le glacier entre le jaune parce et le. Parce que c'est les sinoules, et les sinoules, ils rouillent pas, tu vois. Attends. Et d'ailleurs, sur les. C'est fou ou bien. Sur les Deers et sur les autres, quand il y a ce vert, et au début, quand je voilà. Peignais, je mettais ce gris, mais c'est pas. Et possible. Alors, justement, tiens, c'est intéressant, c'est que là, ce que je fais pour la lame, c'est quasiment en fait. L'armure. L'armure des. Comment il s'appelle ? Des drunes. Ah, des drunes. Ouais. Ok, ok. C'est quasiment ça, en fait. Sauf qu'en plus, on a ajouté un vermine brown dans les creux pour avoir justement le côté un peu plus rouillé. Ah, oui, ok. Et voilà, et là, voilà, là c'est la magie, c'est le spectacle. Ça, c'est trop, trop bien. C'est formidable, c'est... Malheureusement, moi, je n'ai pas trouvé cette couleur, donc je fais un mélange un petit peu. C'est la superposition qui va donc donner un aspect un peu verdâtre à la lame. Alors, faut faire gaffe de pas trop en faire, pour pas que ce soit trop jaune. Faut juste que le passage tout léger contribue à verdir un petit peu la zone. Et en fait, c'est ça qui faisait la lame des Sinwall. Voilà, là on voit bien, ça a altéré un petit peu le rendu. Donc je me concentre vraiment sur les zones où il y a le bleu foncé, hein. Parce que en fait, sinon sur le reste, ça va faire trop jaune. Vu que c'est très clair. Je dois plus en avoir beaucoup du snake en plus. Hein. Moi, ça se raréfie comme ressource. Ouais, bah, c'est tellement raréfié que je ne trouve pas. Mais qu'est-ce qu'il est bien ? Ah ouais, il est cool. Ouais, ça vient légèrement verdir du coup.
En jaune plus jaune sur bleu. Hein. Ah bah c'est trop bien le jaune et bleu. Hein. Voilà, là c'est pas mal. Parce que comme je disais tout à l'heure, si je le fais trop, ça va être trop jaune. Donc faut faire attention au dosage. Et voilà. Donc là en fait on a. Donc après en temps normal, là il faudrait que je revienne avec mon gris ciel pour réinsister encore avec le gris ciel pour qu'il soit encore un peu plus intense. Et repréciser les arêtes ou les endroits où ça a débordé. Et ensuite du blanc pour faire les éclats de lumière. Parce qu'en gros, quand on faisait du non-métallique chez Rackham, jamais on éclaircissait au blanc. Absolument jamais. Soit on utilisait un gris clair, un gris bleu clair, ou un ivoire. En gros, c'est ça. Et on finissait toujours par du blanc pour faire justement l'éclat. Alors c'était tout le truc. Et c'est là que tu commences à peindre après cette couche de base. C'est ça. C'est Rémi, ça. Non. Non, c'est qui? C'est Doun. Ah oui, je travaille avec Doun. Et maintenant, tu peux voilà, commencer à c'était prendre. Donc la couche de base que je vous invite à faire. Donc voilà, là déjà, on a un peu tout. Sur le cinéma, en fait, hein, qui a déjà été fait. Au niveau des éléments. Après, c'était des variantes hein, à chaque fois de ce genre de teinte qui était utilisée. Et plus ou moins rose, plus ou moins bleu. Le doré, hein, c'était pas fou. Le doré, en fait, c'était fait avec de l'uniforme japonais. Éclairci à l'ivoire. Et reglaci d'uniforme japonais. Puis derrière, c'était un petit peu de vermine brown dans les ombres, en fait. C'est assez intense. Mais donc c'est pareil, faire attention au dosage hein, avec cette couleur. J'imagine juste un gars qui débarque en faisant « Ouais, pour un débutant, c'est pas trop mal. T'as juste envie de le défoncer. Oh, » Écoute, tu sais, j'ai déjà eu un gars, moi, qui vient voir. Je vais te dire, j'en ai rien à carrer. Hein. Je sais pas si c'est Doun, mais imagine un gars qui est venu me voir, qui m'a dit « Ouais, faut que tu dilues un peu plus ta peinture. » Moi, je suis passé loin de ce genre de truc, j'en ai un peu rien à cogner de ce que pensait un tel ou un tel, c'est pas mon problème. Moi, tout ce qui compte au final, hein, vu que c'est mon job, c'est mon client. Moi, si mon client est heureux, moi je suis heureux, et puis c'est tout, hein, ça s'arrête là en fait. J'ai pas à chier plus loin, je m'en fous des autres, c'est pas pour eux. Déjà, on fait pas de toute façon, moi je suis déjà périmé hein, dans ce que je fais, donc en fait, j'appartiens à une autre époque. Donc après, si les gens ça les intéresse, c'est qu'ils aiment bien ça, c'est tout. Je m'en fous. C'est hypnotisant, bah déjà, si c'est pas trop ennuyeux, tant mieux. Et bah après, c'est juste des. C'est. Faut comprendre en gros comment tu utilises tes peintures, comment tu les dilues, comment tu les appliques. Et si déjà tu penses. Parce qu'après les couleurs, c'est une autre histoire. Hein. C'est encore une autre paire de manches hein, en vrai. Hein. C'est. Un mélange entre le feeling, c'est l'équilibre que tu peux donner sur la figurine. C'est ça qui n'est pas évident. Mais dans la peinture style Rackham, en fait, ce qui était important, c'était d'avoir des teintes assez. Enfin, pas trop flash. Et le tout agrémenté de petites touches de couleurs à l'intérieur. Soit pour appuyer les couleurs alentour, soit pour en fait aller avec, avec tout ce qui va. Sur la figurine aussi. Donc c'était ça. Et puis après derrière, bah si tu fais en sorte de comment bien tirer la peinture et vers les ombres quand tu fais tes ombres et vers la lumière quand tu fais la lumière, déjà c'est mieux. Après, comme je disais tout à l'heure, hein, réussir à comprendre les volumes, à les visualiser, c'est pas simple non plus. Parce que c'est tout un ensemble hein, en plus sur une figurine. Et bah en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en gros, tu regardes ta figue là, et tu te dis, bon, bah ok, cette plaque d'armure, c'est un volume. Cette plaque d'armure, c'est un volume. Ce bout de cuisse, c'est un volume. Ce bout de tissu, c'est un volume. La peau, c'est un volume. Ça, c'est un volume. Ben, chaque pli, en fait, c'est un volume. Et c'est tout cet ensemble de volumes
qui s'associent pour former la figurine. Donc, ce qui est pas évident, c'est de comprendre en fait où se situent ces volumes pour gérer les lumières dessus et puis les intensités que tu vas y apporter, quoi. Pour que en fait, t'as tel élément qui soit plus important qu'un autre. Tu vois, c'est là, par exemple, ce qui est pas simple, c'est que c'est une figurine qui, je trouve, est plus complexe parce qu'elle forme vraiment un ensemble. Tu vois, on va pas avoir comme certaines figues où tu vas avoir une grosse arme qui se voit tout de suite, ou la tête qui ressort tout de suite à cause du casque ou un truc comme ça, ou une armure trop proéminente, c'est pas le cas. Là, c'est tout un ensemble qui se fond. Donc, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir réussir en fait à associer un peu toutes les couleurs qui marchent bien ensemble, quoi. Par rapport à ce que tu veux faire ressortir. Parce que ça peut être pas mal, hein. Moi, je sais que c'est ce que je fais. À la base, quand je peins une figue, c'est que je la regarde 2 secondes. Bon, ça va plus vite maintenant parce que j'ai l'habitude, mais je vois la figue, je me dis, tiens, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois faire ressortir sur cette figurine? Et en gros, c'est à partir de là où tu vas décider de soit d'utiliser des couleurs un peu plus saturées pour ces zones-là, ce qui fait que le reste, tu vois, sera un peu plus écrasé. Soit un vêtement en cuir, hein, honnêtement, on s'en branle, c'est juste un vêtement en cuir, quoi. C'est pas important. Il va juste être là pour accompagner le reste. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe de pas faire du saturé partout ou pas faire du désaturé trop partout. Il faut réussir à équilibrer l'ensemble et rapporter des petites couleurs un peu plus chaudes. Avec, puis voilà, oui, t'as le jeu, justement, couleur chaude, couleur froide aussi. Voilà, par exemple, c'est ce que j'ai fait un peu là-dessus, c'est que le noir, il a plus de couleurs froides. Et puis du coup, ben, l'épée, pareil, c'est plus de couleurs froides. Mais dedans, t'as un jeu avec du bleu et puis du jaune. Et puis à côté, ben, t'as un drapé là qui est un peu, petit peu plus chaud. Donc, parce que t'as des couleurs, pareil, un petit peu plus jaunes dedans, qui vont venir un peu accompagner l'épée, qui vont venir un peu accompagner le tissu. L'armure, en vrai, ben, elle est vachement claire. Donc là, c'est pas vraiment les couleurs qui vont jouer, même si le violet va lui apporter un côté un peu pâle. Enfin, un peu froid, je veux dire. Donc, à partir de là, c'est là où le tissu il va permettre de réchauffer, puis la peau un petit peu aussi. Voilà, en fait, c'est avec ça qu'il faut réussir à jouer sur une figurine pour réussir à apporter un truc équilibré, quoi. C'est pas toujours évident. Et donc voilà, et si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Parce que là, j'ai travaillé un peu tous les éléments, je pense que je ferai pas plus. Parce que j'en fais déjà un peu trop dans la semaine, donc ça me va, là. Non, mais là, c'est bon, il est 17h30, donc il peut répondre aux questions. Ouais, voilà, si vous en avez un ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Puis après, ben, y a plein d'autres sujets, hein, sur plein d'autres trucs Rackham. Ça peut t'intéresser. On mettra toutes les couleurs sur Discord. Sur le Discord, je mettrai toutes les couleurs. Ouais, ouais, de toute façon, Stéphane, après, il les connaît. Le schéma de couleurs, etc. Alors, je vous mettrai pas le tuto sur le Discord, mais je vous mettrai les couleurs et les schémas de couleurs. Donc, voilà un peu l'idée. En tout cas, sur les Sinwall, c'était un peu comme ça que ça se jouait. Mais c'est rigolo d'en repeindre. De toute façon, je la finirai, je pense. Pas tout de suite. Je vais attendre de finir ce que je fais en boulot. Et puis je pense qu'après la figue que je fais en boulot, pourquoi pas la finir, tiens. Enfin, je vais voir, je sais pas encore. Ça va dépendre parce que je peux vite changer d'avis. Ou me dire qu'il faudrait mieux que je refasse un truc de boulot avant. De toute façon, faut peindre par plaisir en même temps. Oui, enfin après le boulot, c'est le boulot, donc c'est oui, encore c'est différent. Ça. Mais après. Pour moi, dans le boulot, le plaisir, il est autre. Il est dans le projet que tu vois dans l'ensemble.